paix, harmonie, joie sur vous, activation de vos pouvoirs. Célébrité. Augmentation de pouvoir. Retour à l'envoyeur. Sagesse infinie. Direction divine. Accomplissement de mission de vie. Découverte de mission de vie. Découverte de pouvoir. Écoute des guides. Augmentation de votre écoute. Couverture contre les attaques. Couverture, protection contre les attaques. Métamorphose spirituelle. Débarrassement d'anciennes énergies. Rupture de liens négatifs. Couronnement. Sortie de prison spirituelle. Découverte de qui est ton ennemi. Renouvellement de votre puissance. Rechargement pendant que vous écoutez. Ouverture de votre gorge. Nettoyage de votre visage. Exposition à vos clients. Protection contre les flèches de vos adversaires. Positivité à l'infini. Annulation de découragement. Ouverture de votre vision. Connexion avec de nouvelles personnes et de nouveaux horizons. Conte de fées. Prince charmant. Orgasme, bonheur, mariage, conception, grossesse et beauté pendant la grossesse, accouchement sans souci. Enfants royaux. Augmentation financière. Prince charmant riche. Mariage qui apporte l'abondance sur les deux époux. Époux et épouse.
Bonheur avec une belle bague. Honte de la jeunesse enlevée sur vous. Sourire restauré. Anéantissement de vos ennemis. Ils vous font la guerre, mais ils ne peuvent pas vous atteindre. Rencontre des aides de destinée. Employés fidèles et travailleurs. Collaborateurs riches, fidèles, loyaux. Force dans votre vision. Relancement des projets qui ont été abandonnés. Ressources financières nécessaires. Approbation de crédit bancaire. Déblocage de votre compte bancaire. Votre crédit a été accepté, madame. Votre visa a été approuvé, monsieur. Félicitations pour votre mariage. Félicitations pour votre nouvelle voiture toute neuve. Bonheur à l'infini sur vous. Nationalité, vous avez reçu votre nationalité. Carte de séjour de 10 ans. Votre demande de titre de séjour a été acceptée. Bienvenue dans ce pays, madame. Votre visa a été accepté. Bon voyage, madame. Bienvenue aux États-Unis, monsieur. Madame, voilà la tour Eiffel. Vous voulez partir maintenant? Hôtel 5 étoiles sur vous. Chaussures Louboutin sur vous. Caviar sur vous tous les matins. Jet privé sur vous. Chocolat qui fait bien le chocolat. Bienvenue à Paris, madame. Vous voulez du caviar ou vous voulez du champagne, madame? Je suis votre guide pour la journée, madame. Nous commençons par où? Bienvenue à Washington, madame. Bienvenue à la Maison-Blanche, madame. Compte bancaire rempli avec 7 chiffres. Vous avez reçu une somme de tant, 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 millions de francs CFA, millions de dollars. Rajeunissement sur nous maintenant. Bienvenue à Toronto, madame. Je ne dis pas ceci. Jouissance 3 fois dans la journée sur nous, mesdames. C'est pas moi qui parle. Orgasme à partir de 45 ans en montant. Le bonheur que tu n'as jamais connu dans ta vie, c'est maintenant que tu connais.
Je veux acheter ta marchandise, je te fais le virement. Madame, veuillez checker votre compte. Vous avez reçu 50 millions. Je sais pourquoi vous riez. Vous savez pourquoi j'ai ri. Rions. Bonheur à l'imprévu. Et ça devient votre quotidien. Voyage 5 fois par mois dans 5 différents pays. Première classe sur nous maintenant. Rajeunissement et beauté sur nous, mais non. Bonheur et joie sur nous. Faveur partout où nous allons. On ouvre l'email le matin. Vous avez la possibilité de demander un crédit de 1 heure plus tard. Vous avez reçu 500 000 euros dans votre compte. Rien ne vous est plus refusé, mais non. Tout ce que vous demandez, vous recevez. On vous propose de nouveaux business. Acceptation partout où vous partez. Vous avez passé le test. Graduation is coming. Graduation, la soutenance arrive. Vous avez reçu 50 millions de francs CFA. Votre solde est de 250 499 000 francs CFA. Paix dans votre esprit. Belle famille qui vous a accepté, mais non. Le grand amour que vous avez toujours désiré, vous le rencontrez. Il arrive. Ce grand amour arrive. Libération de malédiction générationnelle. Mais non. Augmentation de popularité. Acceptation de tout ce qui était en suspens. Nationalité dans les 3 prochains mois. Visa refusé 3 fois déjà. 7 fois, ils acceptent. Contrat de travail à durée indéterminée sur vous. Vente quotidienne de 3 millions de francs CFA. Sur vous. Libération de votre connexion Internet maintenant. Élévation au-dessus de vos ennemis. Ils vous font la guerre, mais vous devenez de plus en plus belle. «
Exposition des personnes qui vous ont fait du mal. Démasquage. Vous voyez exactement qui c'est. Anéantissement des pouvoirs de l'ennemi. Restauration de votre beauté. Restauration de votre clientèle. Nombre de clients volés multiplié par 10 et retourné vers vous. Célébrité sur vos enfants, mais non. Richesse sur vos enfants, mais non. Enfant célèbre avant l'âge de 15 ans, mais non. Enfant diplômé de Harvard. Enfant obéissant, attentif, compréhensif, exemplaire. Enfant qui ne manque de rien. Finances pour vous occuper de vos enfants. Finances pour leur donner la meilleure éducation. Finances. Ouverture des dons de vos enfants. Célébrité, visibilité, richesse sur vos enfants. Restauration de l'étoile de vos enfants. Conception ce mois. Conception. Enfant désiré depuis des années. Recevez. Une sirène dit à une sirène qu'elle ressemble à une sirène. Restauration de votre argent que vous aviez perdu. Jalousie vous a fait trembler. Maintenant, vous êtes ancré. Élévation sur vos enfants. Célébrité sur vos enfants. Célébrité sur vos enfants. Discipline sur vos enfants. Discipline. Sagesse. Protection. Trois fois, on les couvre du sang de Jésus et de la lumière pure et blanche. Protection de nos enfants contre toute attaque. Activation de la puissance de nos ancêtres pour couvrir notre progéniture. Obéissance, harmonie entre le parent et l'enfant. Connexion qu'il y avait dans le ventre restaurée entre vous et votre enfant. Ouverture d'une chambre dans laquelle il y avait les étoiles de vos enfants. Cassure de la porte. Récupération des étoiles. Restauration des étoiles des enfants. Restauration des étoiles des enfants. Restauration, restauration, restauration. Maître d'école qui ont volé l'étoile des enfants. On restaure. Désenvoûtement des enfants. Si vous êtes concerné, vous allez allumer une bougie comme ça pour chacun de vos enfants. Si vous en avez 5, c'est 5 bougies. Chaque bougie, vous entourez de sel. Vous déposez, vous laissez brûler. Protection, désenvoûtement
de cet enfant en prononçant son nom trois fois. Restauration de la volonté de cet enfant. Départ de l'esprit de paresse de cet enfant. Départ de l'esprit de tétutesse de cet enfant. Enracinement de cet enfant qui a été déraciné. Visa de ces enfants qui doivent venir vous retrouver en Europe. Signature de ces visas cette semaine. Connexion de vos enfants avec leur guide. Sagesse sur vos enfants. Il commence où vous avez terminé. Élévation de votre barre vous-même pour votre vie. Harmonie entre vous et vos enfants. Reconnexion. Reconnexion, intimité entre vous et vos enfants. Tu commences une phrase, ton enfant termine la phrase. Reconnexion avec vos enfants. Reconnexion. Anéantissement de l'esprit de jalousie qui vous a séparé de votre enfant. Effacement des idées qu'on a déposées dans l'enfant pour le détourner. Tante ou oncle qui ont détourné vos enfants. Enlèvement des mauvaises paroles qu'on a dites aux enfants. Traumatisme de ces enfants enlevé, effacé de leur mémoire maintenant. Vos défaites ne seront pas celles de vos enfants. Guérison des blessures qui ont été infligées à vos enfants, physiques et spirituelles et émotionnelles. Ouverture des idées de l'enfant. Connexion de cet enfant avec Dieu. Restauration de la volonté de cet enfant. On enlève le mensonge. Nettoyage de l'esprit de mensonge de tous ses enfants. Élévation de la destinée de ses enfants. Ouverture des finances pour payer ce qu'il faut pour ses enfants. Réception de l'argent pour travailler sur ses enfants. Investissement sur la destinée de ses enfants. Ouverture de dossiers dans les meilleures écoles pour ses enfants. Réception des finances nécessaires pour payer les grandes écoles de formation, grandes écoles de foot pour ses enfants. Trois enfants accouchés, trois enfants célèbres, trois enfants ont réussi. Aucun de vos enfants ne va échouer. Découragement concernant un enfant qui était têtu, enlevé de votre esprit. Retour à la maison pour ceux qui ont fugué. Malédictions familiales qui ont été mises sur vos enfants, enlevées à cet instant. Déconnexion du nombril de votre enfant, de tout esprit négatif, de votre famille ou de la famille de papa ou maman. Restauration de l'étoile des enfants. Vos enfants connaîtront et grandiront entourés de leurs parents. Procédure de divorce annulée. Restauration d'amour dans le foyer.
stabilité de vos enfants. Stabilité de votre foyer. Stabilité de votre foyer. Je déclare avec autorité la stabilité de votre maison. Ancrage de vos enfants. Enlèvement de honte sur vous. Restauration de votre foi en votre futur. Restauration. Restauration des finances concernant les enfants. Restauration de tout homme volé par une chisa. Destruction des bouteilles dans lesquelles vos destinées sont enfermées. Destruction. Destruction des hôtels sur lesquels on a allumé bougie pour vous bloquer. Destruction. Destruction. Ange Michael. Saint-Michel. Épée qui foudroie et qui coupe la tête des entités envoyées pour vous déstabiliser. Stabilisation de votre foyer. Amour et restauration entre vous et votre femme. Je vois quelqu'un ici, ton partenaire. L'attraction était partie. Restauration de l'érotisme qu'il y avait au départ. Restauration. Respect entre les deux. Respect. Serviabilité l'un à l'autre, envers l'autre. Adoucissement des tons dans lesquels on parle à l'autre. Amour du bien et non du mal. Faire du bien à son partenaire et non du mal. Arrêt de masturbation. Fin de masturbation. Je coupe la tête de tout esprit de masturbation. Purification de votre corps. Esprit de tromperie. Relation extra-conjugale. Je coupe maintenant. Envoûtement par une autre personne dehors pour que vous trompez votre femme. J'arrête. Vous devenez blanc, pur, irréprochable dans le monde de l'esprit et dans le physique. Restauration. Vous allez réussir votre mission. Vous allez réussir votre mission. Ce n'est pas vos désirs sexuels qui vont vous arrêter. Toute manipulation de votre énergie sexuelle par une autre personne ou par une entité est annulée. Respect de vos engagements pris au départ vis-à-vis de votre partenaire. Validation de tous les tests qu'on vous a mis sur le chemin. Major de votre promotion spirituelle. Major de votre promotion dans la formation spirituelle que vous venez de traverser. Aveuglement sur vos ennemis. Personne qui médite contre toi,
Faites attention. On n'insulte pas n'importe qui sur les réseaux sociaux. Dix ans de blocage sur vous maintenant là. Toute personne qui se pointe ici. Ça, c'est une incantation qui est en train d'être faite. Ne venez pas parler n'importe comment. Tout endroit où ma voix est en train d'être écoutée, il y a le jugement qui est prononcé. Donc faites attention. Tant pis pour vous. Major de votre promotion. Restauration. Peur de se lancer. Peur de commencer son ministère. Enlever maintenant, comme un voile. Peur de se lancer, enlever. Activation de vos mains. Mains électriques. On me dit vos mains sont électriques. Il y a un courant qui passe dans votre main. Surtout le majeur. Quand vous commencez à toucher quelque chose, commencez par le majeur. Comme si vous jouez du piano. D'abord le majeur, après vous descendez les autres, après vous descendez. D'abord le majeur, après vous descendez. Et dès que vous touchez sur le point de contact. Activation de vos pouvoirs. Blocage ancestral enlevé. Blocages qui ont été mis au début de votre ministère. Vous avez servi dans un ministère. Ils vous ont donné une sorte d'entité qui vous bloquait financièrement. Enlèvement. C'était dans le dos, dans ton dos. Souvent, tu sens entre tes omoplates une douleur là-bas. Ça part, ça revient souvent. Délivrance de l'entité qui était attachée sur toi. Tu croyais que c'était pieux d'être pauvre. Et quand tu rentrais dans ça, tu pouvais faire des dépressions carrément. Délivrance. Je mets la lumière. Je brûle cette sangsue sur ton dos. Je brûle maintenant. Restauration de votre pouvoir dans le cœur. C'était dans le dos parce que le dos est proche du cœur. Restauration de votre lumière. Il y a un champ d'énergie qui vient de te restaurer dans ton cœur. 3 jours, 72 heures. Tu vas voir les gens qui vont t'appeler. Je pensais à toi depuis, mais je ne sais même pas ce qui me retenait. Et quand tu pensais à l'argent, douleur d'estomac généralement. Consomme du miel aujourd'hui. Si tu n'as pas le miel, tu prends le sucre. Un carreau de sucre, tu mets sur la langue. Tu suces. Tu laisses ça descendre dans ton estomac. Si tu as le miel, tu prends une cuillère. Tu lèches, tu laisses ça descendre dans ton estomac. J'enlève tous les égrégores négatifs qu'il y avait dans la paroi de ton œsophage et ton estomac. J'active ta langue. Tout ce que tu demandes ou que tu n'oses même pas encore ouvrir la bouche pour demander, ça vient. Choisis une somme. C'est un test. Ne commence pas par 100 milliards parce que ta foi n'est pas encore là-bas. Vois quelque chose dont tu as besoin pour ton ministère. On me dit pour certains, c'est le téléphone. Visualise ton nouveau téléphone. Je m'accorde avec toi. Matthieu 18, versets 18 et 19. Détachement de ta voix pour parler. J'enlève le frein qui limitait tes paroles. De peur d'être jugé. Que le Seigneur des armées vous montre qui vous êtes réellement. Vous êtes fort pour encourager les gens, mais vous-même, vous ne vous encouragez pas. Manque de confiance en soi. Je chasse cet esprit de vous maintenant. Tout encouragement que tu vas donner à quelqu'un à partir d'aujourd'hui, tu dois te le donner x10 d'abord.
Waouh, tu es belle, hein. Waouh, tu parles bien, hein. Je retourne les prophéties sur vous d'abord. Je brûle les mauvaises pensées, les mauvaises compagnies. La peur qui t'était mise par tes mauvaises compagnies. Que les anges d'en haut mettent une pluie sur vous. On lave la saleté. On coupe les feuilles mortes. L'automne, toutes les feuilles tombent. Tu as oublié qui tu étais avant. Oublie. J'étais si timide, hein. Yessi. Moi, y'a. Jean 7. Des eaux vives couleront de votre ventre. Out of your belly shall flow rivers of living water. Des rivières d'eau vive sortent de votre plexus, de votre ventre, et se répandent. Ésaïe 60, 1 à 5. Regarde, ils arrivent. Regarde. Arrangement des idées dans la tête, dans l'esprit. Idées négatives disparues. Embrouille, quand tu mets la caméra, tu... Disparu. Lève-toi. Sois éclairé. Car ta lumière est là. La gloire de l'Éternel se lève sur toi. Changement de vêtements. De l'or. Du blanc. Ne résiste plus. Or blanc. Ténèbres couvrent la terre. Obscurité les peuples. Sur toi, le Seigneur se lève. Tourbillon. Tourbillon emporte tout sur son chemin et le met en un. Tout ce dont tu as besoin arrive. I call your resources. I call everything you need. I call it. J'appelle tes ressources. Des nations marchent à ta lumière. Des rois marchent à la clarté de tes rayons. Ils arrivent de loin. Tes fils et tes filles. Trahison annulée. Toute trahison sur vous. J'annule, j'enlève les flèches de la trahison. Les cœurs meurtris. Merci pour la bénédiction d'Allah. Inch'Allah. Cœur meurtri, guérison instantanée. Encouragement. Feu d'artifice de joie. Les richesses de la mer se tournent vers toi. Source de revenus. Site internet. Je vois qu'il y a des gens qui cherchent les malédictions dans mon direct.
Ne vous amusez plus avec moi. La dimension que je suis là, je foudroie direct. Ne venez pas dans mon direct vous amuser. Faites très attention. Faites très attention. Tu peux te retrouver comme ça dans ta journée, tes choses ne marchent pas. Parce que tu es venu dans mon direct. Faites très attention. Faites très attention. De moi sort la bénédiction, de moi sort la malédiction. Donc si tu tombes sur mon direct, passe ton aïe, on aïe, tu manques, sorry, tu fermes la porte, tu pars. Les richesses de la mer se tournent vers toi. Site internet, monétisation de vos pages, vidéo virale, commerce en ligne. Oh, Bitcoin, Ethereum, toutes les monnaies que vous avez achetées. Votre compte Binance va exploser. Oui. Le mois d'avril, vous allez voir. Tu voulais investir sur quelque chose depuis que tu hésitais. Lance-toi. Les richesses de la mer se tournent. Tout pays qui a l'eau, tout pays où on prend l'eau, on boit. Ça ne veut pas seulement dire que c'est les pays qui ont la mer, non. Tout pays où on prend l'eau, on boit. Ce pays a ton argent. Vous ferez des business qui sont respectueux. On vous sort de la brousse. Beaucoup d'entre vous, pour faire vos business, vous deviez partir loin, la sueur, les ceci. Ta façon de te faire de l'argent est en train de changer. Ta façon de te faire de l'argent, c'est en train de changer. C'est dans la clim que tu vas gagner l'argent. Avec les beaux habits que tu vas gagner l'argent. Ce n'est pas sous le soleil. Il y a un changement. Parce qu'on avait mis une souffrance sur toi qui faisait que... C'était comme un envoûtement. C'était un esprit. Tu pars même là où c'est bien, toi-même tu fuis. Tu vas pousser, tu vas finir ta formation dans le trading. Tu avais commencé trois fois, tu as laissé. Quand tu as commencé, tu sentais que... Et le trading est très spirituel. Le trading, c'est quelque chose que si tu as un mauvais enseignant, ce sera compliqué dans ta tête. Tu as un facilitateur, quelqu'un qui explique. Ça coule et quand tu vois, ça vient. Donc, tu vas retourner encore. Et cette fois-ci, ton énergie est déjà à un autre niveau. Manifestation d'argent overnight, du jour au lendemain. Compte Binance bloqué, Monsieur Fabrice sort de mon direct. Dégage! Le compte Binance ont été bloqués. Naturellement, quand tu es né, tu es quelqu'un que tu es censé... L'argent est censé venir à toi par n'importe quelle voie, n'importe quelle excuse. Tu as déjà besoin que si tu pars même à une fête, tu trouves les gens censés partir à l'anniversaire, tu pars avec eux. Tu arrives là-bas, tu danses, on te donne l'argent plus que eux. Donc en fait, tes guides ont toujours utilisé n'importe quoi pour te donner l'argent. Maintenant, quand tu es adulte, ce que je vois, la première chose qui t'a beaucoup bloqué, malédiction familiale. Première chose. Et ça fait de telle façon que tu es peut-être sur le chemin, ok, il y a un truc qui est en train de vouloir bien se passer. Dernière minute, on bloque ton compte.
cette saison si tu es en train de te débloquer. Et ne sois pas surpris si tu as beaucoup de propositions en une fois. Peut-être si tu te mets en fait de... Tu as peut-être 4 plateformes sur lesquelles tu fais simultanément quelque chose. 4 plateformes. Parce que c'est un peu comme si l'argent qu'on avait retenu, c'est comme si on a ouvert une porte qui contenait de l'eau. La porte d'une pièce, pardon. Tout l'eau là va se verser en une fois. Pouf. Et si celui qui ouvre devant la porte, ça va d'abord l'emporter. Ce n'est pas solide. Beaucoup d'entre vous, vous avez un esprit de célébrité. Et si tu es visible sur les réseaux sociaux, mais ça ne te donne pas l'argent, ça c'est pour toi. Ça veut dire que cette visibilité est en train d'être transformée. Tu es censé être riche et célèbre. Tu n'es pas censé être célèbre. On te connaît chaque jour, on croit que tu as l'argent. Oh, donne même pour moi, non. Non. Donc, les comptes Binance, les pages YouTube, tous ces trucs-là, vous allez monétiser. Et sans ça, ça va entrer. Trouvez, Monsieur Fabrice, ton esprit m'énerve. Ce n'est pas parce que tu me suis depuis. Ferme ta bouche si ce que tu dis ne te concerne pas. Attends. J'ai dit l'autre jour qu'il me bloquait, puis les gens ne me forcent pas à te bloquer. Quand vous avez vos esprits qui vous dérangent, ne venez pas trouver mes choses, troubler mes choses. Vous pensez que vous êtes toujours bloqué plus que qui? Vous pensez que vous êtes bloqué plus que qui? C'est que ma part est comme ça, ma part est comme ça. Personne parmi vous n'est spécial. Hein. Quand on donne les bénédictions, c'est celui qui reçoit. Donc tu ne peux pas comprendre ma part. Arrêtez ça. Arrêtez. Moins de 100 000 abonnés, ne venez pas me parler, s'il vous plaît. Jésus ne vous donne pas les abonnés, pourquoi? Jésus ne donne pas les abonnés. Jésus t'aime. Tu es pauvre. Tu es pauvre. Tu n'as même pas les mégas. Tu as fait comment pour avoir les mégas pour suivre ma vidéo? Posez-vous les questions. Posez-vous les questions. Quand il va m'arrêter pour insulter quelqu'un, hein? Laissez-moi, j'insulte. Vous ne savez pas qui est en train de les insulter. Vous ne savez pas qui. Vous ne savez pas. Donc laissez vos affaires là. Peut-être que vous êtes nouveau sur ma page. Dans le direct, s'il y a les mauvaises entités, il y a les bonnes entités. Donc il y a d'ailleurs, ils doivent savoir qu'on n'a pas peur d'eux. Tu avances que tu marches avec moi. Hey, vous me connaissez. Commentez. Avançons. Et ne venez pas me demander à une bosse de vous débloquer. Je vous bloque. Tu penses que vous avez veillé sur mon direct, faire vos bêtises là. Tu vois que ma vidéo était bloquée. Nazareth, pauvre, 60 abonnés. Oh Seigneur Jésus. Jésus-Christ, dis-leur. Dis-leur que quand tu parlais, 15 000 personnes venaient s'asseoir, tu les nourrissais. C'est-à-dire, tu avais l'argent d'abord. Vous ne connaissez pas Jésus? Vous asseyez, Jésus dit qu'il y a combien de personnes là-bas? On dit 5000 personnes. Donnez-leur à manger. Oh, Jésus. Hey, Jésus. Ah, Jésus avait les abonnés. Jésus avait les abonnés, Maria. Attends, regarde. Attends, regarde tes abonnés. 1000 abonnés. Jésus avait les abonnés. Tu n'es pas à l'église? Voilà, avec les fausses prières. Je suis en train de vous bloquer jusqu'à... Montez-moi quelqu'un qui dit que Jésus t'aime et il a 1 million d'abonnés. Ou même 100 000 abonnés. Vous, Jésus t'aime. Vous ne connaissez pas Jésus. Vous ne connaissez pas Jésus. Jésus qui monopolise un navire, un jet privé de l'époque. Hé, Jésus. Il faut que les pasteurs enseignent vraiment qui. Parce qu'eux-mêmes, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Voilà Fallon. À
caractère te bloque aussi. Tu m'aimes. Non, l'autre est intéressant. On mange les abonnés. C'est pour ça que tu es pauvre. Vous êtes tous pauvres. La pauvreté vous gère. Venez parler. Venez parler. La pauvreté vous gère. Tu veux retirer l'envoûtement, il faut que tu partes, va voir quelqu'un qui est spécialisé pour ça. Ne vous attaquez pas à n'importe qui. Regardez. Les entités ont besoin d'une porte pour entrer dans votre vie pour vous bloquer. Vous suivez? Les réseaux sociaux, c'est le moyen le plus rapide. Oh Seigneur Jésus. Allez tous sur les pages des gens, vous commentez. Allez commenter. La nuit, là, tu vas voir un truc comme ça. Là. Tu crois que le démon l'entend dans ta vie comment? Ne venez pas parler sur la page de n'importe qui. Faites attention. Et les gens, les agents de lumière sont, que ce soit quelqu'un qui est positif, que ce soit quelqu'un qui est négatif, les gens positifs sont entourés par beaucoup de personnes. Vous croyez que les anges sont gentils, n'est-ce pas? Vous pensez que les gens sont gentils, non? Que non, les anges sont là pour nous faire du bien. Ange Michael, vous croyez qu'on le monte avec l'épée, pourquoi? Pourquoi vous pensez que l'ange Michael a l'épée? Pourquoi il n'a pas les fleurs dans sa main? Pourquoi il n'a pas le coton? Que quand ça va pas, il pomponne ton visage. Pourquoi, mamie? Pourquoi? Allez voir dans la Bible, quand ça n'allait pas, et qu'il fallait exterminer une nation. Dieu envoie, il dit que exterminez-les tous. Pourquoi? Parce qu'ils sont allés attaquer, ou ils se sont remontés contre une nation. Une nation que Dieu aime. Faites attention. Tu peux voir quelqu'un qui est pur, il est bien. Tu viens l'attaquer. Il ne te fait rien. Hein. Observez souvent vos attaques. Observez vos périodes. Certaines de vos malédictions, ce n'est pas seulement la famille. C'est vous-même que vous êtes parti chercher. Quand vous voyez en bas d'un poste, 5 personnes ont comme. Certains viennent ici là mettre des choses seulement pour vous provoquer, pour que vous parliez. Dès que tu parles, c'est leur accord. C'est leur accord avec le diable. Tu viens, tu es en bas. Tu es là en bas. Regardez là, regarde. Oh. On te localise. C'est vous qui allez aller travailler, non? Tu vas te voir dans le rêve que je travaille dans un champ comme ça, là. C'est vous qui allez encore revenir. Oui, je travaille. Oui, on travaille jusqu'à... Tu crois que tu as fait comment pointer là-bas? Faites attention. Faites attention. Les agents de lumière ne sont pas là seulement pour vous faire du bien. Les agents de lumière, ce n'est pas parce qu'on a dit lumière. Ah, comme c'est lumière, ça veut dire que avant, quand les gens vous voyaient, quand ils voient comment vous êtes là, c'est un peu comme quand tu arrives à l'étranger, ils disent, ah, tu es Camerounais, tu es aussi Camerounais. Je vous assure, le moment où tu dis que je suis Camerounaise, il t'a déjà saigné. Il sait que si elle vient, elle va m'aider sans demander que je paye. Si elle vient, je lui fais du mal, elle va me laisser. Si elle vient, elle fait ceci. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Les agents de lumière sont en train d'entrer dans une dimension de jugement. Quand Dieu, dans la Bible, quand Dieu dit qu'il a envie t'envoie, il dit, va là-bas, extermine ces gens-là. Dans vos rêves, très souvent, vous bagarrez, non? Vous êtes dans une armée, avec une armée en train de bagarrer. Vous croyez que vous faites quoi? Quand vous coupez la tête des gens, vous tuez les gens. Non, un agent de lumière, je ne suis pas. Depuis que j'ai compris l'affaire, là, moi-même, je ne blague pas. C'est comme s'il faut que j'arrête TikTok, c'est là. Ils me mettent les vérifications, là.
Agent de lumière, enfant de la lumière, ça veut dire quoi? Lumière ne veut pas forcément dire qu'il va te faire du bien. Lumière, ça veut dire qu'il a une mission, un objectif. Tu te mets sur le chemin de la lumière, là, de son chemin. Comprenez bien? Tu te mets sur le chemin de ce qu'il est en train de faire. C'est là que tu as affaire avec lui. Et beaucoup de personnes ont déjà eu à m'approcher, veulent entraver ma mission et croient que je ne vais pas dire avec eux. Après, ils vont se retourner et dire que je suis dur. Je suis dur. Je n'aime pas le mot aide-moi, chérie. Tu as compris? Je n'aide pas les gens. Je t'apprends à prier. Je prends les armes, je mets dans ta main. Si tu ne veux pas utiliser, tu laisses. Tu as compris, baby? Thank you very much. Donc, il faut faire très attention. Même avec, il me suffit d'avoir un mot de ta part pour me connecter à ton aura. C'est les choses que, ils disent que j'ai dit toutes les choses non. C'est comme ça qu'on vous attrape. Un mot de ta part. Je n'ai même pas besoin de ton nom. Écoutez bien. Commente, je n'ai pas de photo de profil. Juste quelque chose qui sort de toi pour venir ici. Soyez vigilants. Quand vous mettez votre, on dit que user 53 24, tu crois qu'on ne te voit pas. Tu viens, tu commentes sur le truc. Faites attention. Ça passe dans un satellite qui est dans les airs. Le satellite spirituel est plus puissant que ce qu'ils ont mis là-bas. Fille, lumière ne veut pas dire que ça va te faire du bien. Écoutez-moi bien. La partie jugement de beaucoup d'agents de lumière est en train d'être activée. Et cette partie, c'est une partie très violente. Les gens vont se retourner contre toi. Ah, tu es trop... Tu te comprends même quand même, non? Non. Tu deviens comme un soldat. Sans cœur. Lumière ne veut pas dire cœur. Agent de lumière ne veut pas dire agent de cœur. Vous m'écoutez? Vous me suivez, non? Ok. C'est un mélange. Tu vois une plume qu'on laisse pour que ça tombe sur le sol. Voyez la plume là. Voyez aussi le boulet de canon. Tu as bu le miel ce matin. Oh, super. Je parle de... Tu as super mal au dos, au ventre. Oui, ça va sortir. Je vous ai dit que vous êtes en train d'être délivré. Il y avait des entités qui vous bloquaient. Jésus a dit, soyez doux comme les agneaux, sages comme les serpents. Wise, wise. Ce n'est pas parce que tu es doux que tu n'as pas les griffes. C'est pour ça que les sirènes sont souvent très jolies. Quand tu la regardes, tu ne comprends pas. Comment elle est belle. Quand je regarde, je veux m'adoucir. Mais en même temps, like, what is that? On vous a beaucoup menti par rapport à vous. Hein. Ce qui fait que quand l'autre partie de toi veut s'activer, tu as un peu peur. Genre, je ne suis pas censée être comme ça. Moi, je ne suis pas comme ça. Hein. Ah, vraiment, c'est Dieu qui va s'occuper de vous. Tu es en train de t'étonner que tu as changé, n'est-ce pas, ma chérie? Tu as changé, ma fille, n'est-ce pas? Il y a des émotions qui sont entrées dans toi. Il y a des choses que tu toléras avant que tu ne tolères plus. Quelqu'un fait une erreur une fois. Hors de ta vie. Et quand tu vois la vitesse avec laquelle tu as bloqué la personne. Lui-même, il est choqué. Que ce soit ta famille, que ce soit le père des enfants, que ce soit ton ex, que ce soit, like, Plus ta puissance augmente, moins tu as besoin des gens. Et tout vient de l'intérieur de toi. C'est comme s'il y avait un truc en toi qui s'est réveillé.
Et ça t'enseigne, ça te guide. Ça te guide. Tu dis mauvais cœur, ma chérie. Elle dit que j'ai trop le mauvais cœur. Tu n'as pas le mauvais cœur. Vous allez comprendre qui est Dieu. La première fois que je lis la Bible, je vois comment Dieu a dit, tuer tout le monde. Je dis, mais attends un peu. C'est quel genre de Dieu comme ça? Mais je croyais que Dieu était doux. Toujours doux. Non. On ne force pas. Parce que tu dis qu'il faut que tu arrives à ne plus tolérer. Ce n'est pas ça. C'est quelque chose que it takes over. Ça te prend. Tu ne connais. Et c'est ce qu'on appelle holy anger. La colère sainte. La colère sainte. Il y en a parmi vous. Vous êtes. Vous avez eu des enfants avec des hommes que vous n'étiez pas censés. Dieu a frappé l'enfant. Parce que cette relation n'était pas censée. Ce n'est pas avec tout homme qu'on sort. Ce n'est pas avec tout homme qu'on fait enfant. Tu, ok, il y a l'amour naturel pour l'enfant. Mais c'est pour ça qu'il y a des enfants que tu forces, tu lis l'heure sur l'enfant-là, toute ta vie. David, quand il s'est mis avec Bathsheba, la relation était c'était pas encore bien. Dieu a frappé le premier enfant. Ah, comment Dieu tue l'enfant de quelqu'un? Il l'a frappé. L'enfant est mort. Il a dû aller restaurer les choses avant de concevoir le deuxième enfant. Dieu n'est pas dans vous. Ce n'est pas parce que les gens, c'est pas parce que TikTok trouve que quelque chose est bien que. Moi, je fais ce qu'on me dit de faire. Je me place si j'enseigne ce qu'on me dit d'enseigner. Je ne suis pas là pour votre approbation. Si elle enseigne pour moi, pourquoi tu n'auras pas dit? On t'a dit de leur dire quelque chose, tu n'as pas dit pourquoi. Parce que parfois. Vous êtes en train de. Tu es en train d'engager une nouvelle tangente là. Mais comme tu as quitté tous tes guides spirituels que tu avais avant, tous les gens qui te guidaient, et quand ils te guidaient à l'intérieur de toi, tu sentais que. Parce que tu es appelé à être plus grande que. Plus grand que. Tu as des guides spirituels que tu es appelé à être plus grand que. Oui. C'est pas que tu es hautaine, non. Tu sais que le temps viendra. Donc, quand tu arrives à une dimension où tu vois que non, l'autre aussi. Parce que dans, il y a les mains, les doigts de la main, par exemple. Ce n'est pas la même taille. Ce n'est pas la même mission. Les organes du corps. L'œil ne peut pas faire ce que la main fait. Je ne peux pas manger avec mon œil. Je ne peux pas prendre la cuillère avec mon œil, je mange. Je ne peux pas. Donc, à un moment, tu commences à sentir que... Parce qu'ils ont déposé l'enseignement dans vous. Je vous ai parlé de développer la capacité d'écouter beaucoup le matin. Beaucoup. Parfois, tu te réveilles même avant de dormir. Parfois, avant de dormir, même comme ça, là, tu restes dans le lit. Tu restes dans le lit. Tes pensées sont en train de s'aligner. Quand on dort tous, c'est comme si il y a plusieurs pays. Physiquement, on est né dans un certain pays, mais spirituellement, on vient d'une planète ou d'une nation. Et quand on dort, l'intérieur de nous se connecte là-bas. On reçoit les messages. On revient. Je prie que vous trouviez vos compatriotes. Trouviez vos compatriotes. Parce qu'ils vont vous aider à comprendre les messages que vous recevez. Vous ne serez plus folle. Il y en a ici, vous êtes des fées. Je n'ai pas encore reçu d'enseignement sur les fées, mais vous savez que vous êtes des fées. Vous savez. Je crois que ça a pu ça aussi avoir avec la forêt. Vous savez que dans les forêts, des forêts très très denses, des petites lucioles de la nuit là,
Ça sont les fées. Il y a les sirènes, il y a les fées. Oui. Et tu le sais en toi, tu le sais. Maintenant, quand on te connecte avec des fées, moi, c'est de l'eau. C'est pour ça que... Et c'est hier que je me suis aussi rendu compte que l'eau englobe beaucoup d'éléments. Cet enseignement vient carrément du satellite, d'un satellite. L'eau à la terre. Au fond de l'eau, il y a la terre, non. L'eau n'est pas quand même sans fond. L'eau à la terre. L'eau à l'air. Les vagues. L'eau à le feu. Avec le soleil qui frappe. Parfois, tu es dans l'eau, ça chauffe. Parfois, c'est froid. Tout ça, c'est dans l'eau. Donc, il y a la terre. Et là, en bas, il y a la végétation aussi. C'est pour ça que quelqu'un qui est de l'eau, généralement, elle peut avoir insight. Elle peut avoir des révélations qui concernent les autres. Maintenant, je reviens au fait. C'est important pour vous. La fille qui a dit qu'elle a une fée ici, là. Vous étiez très caché. On vous a beaucoup caché. C'est comme si tu sors d'une tribu qui a été cachée. Tu es un peu comme... Si je te vois sortir, comme tu sors de la forêt, tu vois la ville. C'est cet esprit-là que tu vas recevoir maintenant. Donc, genre, il y a beaucoup de révélations que tu vas avoir. Si tu peux faire une page où tu parles de ça, progressivement. Et voilà, il y a celle qui chante Jericho. Jericho, Jericho, Jericho. Oh, on l'appelle comment? Iniko, je pense. Iniko, c'est une fée aussi. Beyoncé, c'est une sirène. Beaucoup d'entre vous, vous êtes du rang de certaines personnes qui sont déjà avancées, qui sont visibles. C'est-à-dire, si on regarde sur la planète, là, vous êtes des sœurs. C'est pas pour rien que souvent tu rêves, tu te vois avec une star. Parce que sur votre planète, d'où vous venez, quand tu as souvent d'une star, quand je te réveille, check un peu son signe. Vois si vous n'êtes pas du même endroit. Du coup, la fée là, oui, tu es un peu comme le précurseur. Tu fais partie des premières qui sont arrivées avant. Donc, c'est un peu comme si tu es sorti avant. Tu vois, comme quand vous partez en randonnée ou bien vous explorez un nouveau territoire. Toi, tu fais partie des personnes qui s'étaient avancées, qui arrivaient un peu rapidement. Oui. Donc, quand tu... Et tu dois aussi beaucoup écouter. J'ai l'impression que tu n'écoutes pas beaucoup. Quand tu écoutes, suis ce qui t'attire. J'ai l'impression que ils vont beaucoup communiquer avec toi, avec le ressenti. Like, si quelqu'un t'intéresse beaucoup, fouille les trucs sur la personne-là pendant un moment. Like... Dive, plonge, tu regardes tout ce qu'il y a sur la personne. Toi, tu fonctionnes beaucoup avec les sensations. Oui, les sensations. Et si tu peux, tu fais une couronne de... J'ai acheté ça fait quelques temps. Je n'ai jamais compris pourquoi j'ai fait toutes ces couronnes. Attendez, je vais vous montrer ça. Wow, what do you want? Ça, c'est les couronnes pour les femmes de l'eau. Ça. Ok. Les fées, ça c'est plus pour vous. Ça. Donc tu vois qu'il y a un peu de vert dedans, la verdure. Tu as besoin de porter des choses comme ça. Ça, je porte aussi beaucoup ça. Ça c'est pour les personnes qui sont en haut. En haut, il y a beaucoup plus la neige. Les nuages, pardon. Le bleu, le ciel. Le blanc. Ça, c'est en vente. Je vends ça maintenant.
Ça, c'est pour ceux qui sont plus haut que le ciel. Donc, on me parle de la galaxie carrément. Et je vois Cléopâtre, César. Voilà. Fais des recherches sur César. Rosie Rosita. Ne commente plus trop sur mes vidéos, Rosie Rosita. Souvent, j'ai envie de te bloquer. Et c'est une envie qui me vient très, très souvent. Parce que quand j'ai toujours l'impression que quand j'enseigne, tu ne comprends pas ce qu'il dit. Tu me dis que dans le signe de l'air englobe l'eau. Comment? J'ai dit que l'eau englobe l'air. Tu me dis que l'air englobe l'eau. Pardon. Ce n'est pas la première fois que je te demande de ne pas commenter. Parce que quand tu commences, ça m'énerve. Voilà. Donc, ça, c'est les choses que vous avez besoin. Donc, cette jeune fille-là, si tu peux, tu as besoin de beaucoup de couronnes. Quand tu vas dans la forêt, les feuilles que tu ramènes. Les feuilles que tu ramènes. Oh my goodness, on me montre tellement de choses. Quand vous marchez dans vos endroits, je vais souvent dans la forêt. Je vais souvent dans la forêt. De là, je prends des choses. Parfois, je vais au bord de l'eau, je ramasse les algues. Je rentre avec. Les coquillages. Algues, coquillages. Pour les courries, j'emporte tellement. Ce matin, justement, j'ai dit que je n'emporte pas les courries sur moi. Donc, celle de la... Il faut avoir beaucoup de plantes chez toi, la fée, là. Beaucoup de plantes. Ce n'est pas le commissariat. Je ne veux pas vos plaintes. Je suis en train de faire le direct ici pour vos plaintes. Mon titre de direct, c'était augmentation des pouvoirs. Voilà. Ne venez pas vous plaindre ici. Ce n'est pas le commissariat. Je ne prends pas les problèmes des gens que je veux monter pour mon... Tu as vu quelqu'un depuis là, j'ai reçu quelqu'un. Ça fait une heure que je fais le direct. Tu as vu quelqu'un s'est connecté ici. Si vous êtes nouveau sur ma page, écoutez. J'enseigne seulement. Voilà. Donc, les feuilles... Et toi, on va beaucoup te parler avec les arbres, beaucoup. Touche les arbres. Va dans le parc, mets la main sur les arbres. Quand on dit fée, ce n'est pas seulement une femme. Ils se reproduisent comment? Il y a aussi les hommes. Touchez beaucoup les arbres. Marchez pieds nus, vous touchez. Sachez toujours que quand le moment arrivera, ils vous donneront votre message. Céline, tu es encore du bas. Tu es encore dans l'astral du bas. Céline, me pose plutôt. Vous savez, je vous ai dit que toute personne qui écrit cela, je... Laissez, ça va. Si tu en as mon direct, tu ne comprends pas ce qu'il dit, ne commente pas. Ok? Ne commente pas. Dès que vous mettez un truc là-bas, je vois tout, même votre maison. Ne commentez pas. Vous devez avoir les outils. Vous avez remarqué que les personnes spirituelles ont toujours plein de choses chez eux. Plein. Tu te demandes, mais pourquoi? Parce que à chaque fois que tu vas dans un endroit, tu as une révélation. Quand tu prends quelque chose, tu rentres avec à la maison. Tu peux aller sur un lieu sacré. Tu prends la terre, tu rentres avec. Tu prends les feuilles, tu rentres avec. Tu prends de l'eau, tu rentres avec. Donc, l'esprit qui a été là le jour là, qui t'a guidé, c'est un peu comme s'il te donnait une partie de lui. Il met dans ce que tu prends. Ça peut être un caillou. Et beaucoup d'entre vous, vous résistez beaucoup à vos pouvoirs. Je ne sais pas pourquoi. Vous résistez beaucoup. Pourquoi? L'esprit ne peut pas vous faire mal. Ok, donc ils vous ont créé, ils vous ont protégé. Vous êtes resté en vie, vous avez résisté. Et ils viennent vous tuer maintenant. Pourquoi le ferais-tu? Pourquoi le ferait-il, pardon? Pourquoi? Le mot là, vous ne devez même pas prononcer ça. Ça ne va pas sortir de votre bouche. Bonjour, monsieur Marc. Très belle énergie, monsieur Marc. Beaucoup d'argent, monsieur Marc. Quand vous dites la peur de l'inconnu, tout est inconnu, ma chérie. Est-ce que tu sais ce qui va se passer dans ta vie à 13 heures? Hmm? Tout
dans la vie est inconnu. Tout. Il est 9h49. À 10h, je ne sais pas si un oiseau aura crié là-bas dehors, je ne sais pas. Il pleuvait tout à l'heure, là il fait soleil. Là, je suis à Libreville. Tu voyais des choses bizarres. Maintenant, tu veux comment faire? Vous devez aussi discerner. Beaucoup de personnes aussi, vous avez eu trop d'esprits. Vous devez avoir le discernement des esprits. Certains esprits qui vous dérangent. Hein? Certains esprits qui vous dérangent. Et les fées aiment beaucoup l'agriculture en passant. Beaucoup. OK? Beaucoup. Le jardin, les choses comme ça. Donc, je disais que beaucoup d'entre vous, vous avez eu une multitude. Vous devez discerner. Le haut astral ne vient pas comme ça. Il y a les tests. C'est comme si tu dis que tu veux sauter de l'avion dans l'air. Tu es fou. Tu vois, c'est n'importe qui va là-bas. Hmm? Écoutez, écoutez. Au début, tu as plein d'esprits. Parce que les esprits viennent avec les écoutes. Et heureusement, malheureusement, sur les réseaux aujourd'hui, tout le monde parle. Ashandi, arrête s'il te plaît. Vous êtes déjà même testé. Dans le spirituel, on ne demande pas les tests. Ça vient. Et quand ça vient, tu ne sais même pas. Donc, il faut laisser pardon. Ce n'est pas l'école des baguettiens qui sont venus là. On vous dit que le test, ce sera le 18 mars. Continuons. Vous avez commencé, il y avait beaucoup de croyances. Beaucoup. Voilà quelqu'un qui dit, on a reçu depuis, comme dans des enseignants, beaucoup d'enseignements. Oui, aujourd'hui, vous ne savez pas qui vous êtes. Voilà. Beaucoup. Vous avez été dans des... Certains d'entre vous, vous avez, quand vous avez commencé votre éveil, vous étiez dans des églises qui vous ont tué. Qui vous ont tué. Guy Normo, je ne bloque plus les gens. C'est ton dernier avertissement. Je ne veux plus que tu commentes. Je vous explique ce que je pense et je juge que vous devez savoir maintenant. Si tu écoutes et tu ne comprends pas, sors. Peut-être dans un autre jour, tu vas comprendre. J'ai plein de vidéos, j'enseigne depuis au moins 4 ans sur ma page. Donc, quand vous avez commencé votre marche spirituelle, même ceux qui sont très haut placés comprendront ce que je dis. Quand j'enseigne quelque chose pour les petits, ceux qui sont grands, ça ouvre encore plus. Et quand j'enseigne ce qui est un peu compliqué, bon, les petits ne comprennent pas, c'est vrai. On vous dit de ne pas rejeter le mot petit. Tout le monde ici a été petit. Petit, c'est une étape de la vie. Et ce n'est pas parce que tu es petit, tu dis que je suis grand, que tu es grand. Imagine ton enfant de 5 ans qui dit, maman, j'ai 16 ans. Ce n'est pas parce qu'il a dit qu'il a 16 ans qu'il a 16 ans. Tu sais qu'il n'a pas 16 ans. Tu ne peux pas lui donner une voiture. Donc, vous avez suivi beaucoup d'enseignements. Et il y a même des façons de prier qu'on vous a montrées à l'époque. Il y a des façons de faire certaines choses qu'on vous a montrées et vous saviez que ce n'est pas ça. Like, you know. Mm-mm. Quand vous êtes parti, il y a les traces. Il y a les traces. Tu peux avoir été dans une église 5 ans avant de partir. Ce sont eux qui parlent. Quand mes guides parlent, je connais. Mm-mm. C'est pour ça qu'ils m'ont donné un bonnet. Ok, continuons. Ça vous a pris 5 ans pour sortir de là. Et depuis que vous êtes sorti, vous êtes comme une ermite. Okay, vous êtes comme quelqu'un qui est en hibernation. Vous êtes caché. Ils me disent de vous dire que l'hibernation dépendra, s'arrêtera quand vous serez prêt à laisser. Vous suivez, à laisser. Margui, j'en ai rien à foutre de tes boutons, chérie. On parle des trucs, tu viens me parler des boutons. Mamie, continue. Tu ne veux pas continuer, tu laisses, non. Hmm? Vous pensez toujours que les choses du spirituel, c'est facile. Que j'ai commencé le bain des pipis, mais les boutons. Et puis quoi? Continue. Si tu sais que c'est bien, tu continues. Donc, quand vous avez... Même si ça fait 10 ans que tu es parti de l'église là, leurs croyances sont encore dans toi. C'est encore là. Et tu penses que tu ne peux pas.
Non, je ne peux pas être riche. Oh non, non, j'ai trop d'argent. Je ne peux pas avoir 50 millions. Vous avez vu ma mère là-bas derrière? Je ne sais pas pourquoi, mais elle me demande de vous le... Peut-être c'est elle qui parle pour l'instant. Donc là, voilà. C'est elle qui m'a donné mon nez. C'est pas mon père. C'est ma mère. I got it from my mama. OK. Maman, c'est bon, non? Je continue. Et là-bas, il y a beaucoup d'esprits qui sont... On vous disait qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui doit parler. Comment savoir que c'est le Saint-Esprit qui parle? Comment? Comment? Du coup, il y a même des esprits qu'on vous avait dit que ce n'est pas bon. Pourtant, c'était bien. Il y a des esprits que on vous a dit que non, l'autre aussi, c'est bien. Merci, Émile. Elle dit merci pour son bisou. On a dit que non, c'est bien. Et c'est l'esprit-là qui est en train de te bloquer. Il y a un truc sur les femmes quand elles partent à l'église. La chasteté. Beaucoup d'entre vous, vous êtes flagellés à cause de ça. Tu rencontres un homme, c'est peut-être la personne. Non, on ne fait pas l'amour, on ne fait pas. Je ne vous envoie pas faire l'amour avant le mariage. Chacun fait selon sa croyance. Mais il y a beaucoup de femmes qui ont rejeté des hommes, bloqué leur pouvoir à cause de cet enseignement. Je vais vous montrer comment discerner. La clé de tout. Le choix que tu as. L'esprit-là ne doit pas t'amener à... juger les autres. Tu n'es pas au-dessus des autres. Il y a par exemple les médiums. Chez les, à l'église, on dit, oh, les médiums, oh, psychic mediums, like, you know, they're like, mm-mm. Un médium, c'est un prophète. C'est un prophète. C'est juste qu'il y a beaucoup de choses, l'esprit de l'eau qu'on a tellement rejeté à l'église. Tellement. Il y a l'eau dans ton corps, tu rejettes l'esprit de l'eau, mamie. 70% de ton corps. Hein? La surface de la terre, combien de pourcents c'est l'eau? Cherchez pour la terre. C'est un tiers qui est l'eau, c'est combien de tiers? La terre est recouverte de combien de pourcents d'eau? Ton corps a combien de pourcents d'eau? Jesus. 3 quarts. 72%. Jesus. Jesus. Donc, ce n'est pas 95. Il y a qui là-bas? Tu vis sur l'eau. 70% d'eau pour la terre. Donc, l'esprit de l'eau là est tellement mauvais. Tellement. L'eau, hein. L'eau peut entrer dans n'importe quoi. L'eau peut devenir mince. En grande puissance, ça peut tuer n'importe quoi. Ça a une force. En fait, allez vous renseigner sur l'eau. Imagine, tu commences à rejeter quelque chose qui est partout et qui est même dans toi. Ça veut dire que tu rejettes certains de tes pouvoirs. Hein? Voilà, toi-même, tu as dit, mamie, même sans eau, tu ne peux rien faire. La lumière, là, c'est l'eau qui donne. Terre, 70%. Eau, 60%. Merci. Le corps, pardon, 60%. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on dépasse 60% dans les deux cas. Et si... Voilà, je reviens sur ce qu'on... Voilà, première chose, que ça ne juge pas les gens. Deuxièmement, je vais être un peu violente, mais... Est-ce que ça te fait accepter la pauvreté?
On n'a pas un seul esprit, on a beaucoup d'esprit. Là où tu es là, à quel est, il y a beaucoup d'esprit dans toi. Tout le monde a beaucoup d'esprit. Ok? Tout le monde a les légions dans lui. Maintenant, je veux vous montrer comment savoir qui laisser venir. Qui laisser prendre le dessus. Il y a le yin et le yang dans tout le monde. Ne me posez pas de questions. Laissez-moi, j'explique d'abord ce que je suis en train d'expliquer. Si l'esprit que tu écoutes, là, votre messe des rameaux, bonne messe des rameaux, pardon. Quelqu'un m'a envoyé un truc ce matin avec messe des rameaux. Potakana. Je ne suis pas dans les rituels, je suis dans autre chose, plus profond que ça. Si vous vous concentrez bien, vous verrez la puissance qui va se trouver pour la résurrection. L'énergie, quand c'est la résurrection, là, c'est grave. Ok, je reprends. Si l'esprit là te fait juger les gens, que tu es mieux, je suis mieux que, tu dois toujours, cet esprit là toujours te fait comprendre que on est dans les étapes. Lui peut-être, voilà sa réalité. C'est pour ça que j'arrive pas à juger les homosexuels. I just can't. Je me dis, pourquoi? Ils m'ont fait quoi? C'est quoi une messe noire? Attends, elle te bloque. Arrêtez. L'esprit peut se tromper. On vous a dit des deux. Oh. Attendez, parle, je ne vais pas vous lire pendant un moment. Ça t'amène vers le jugement des gens. Ça t'amène vers la pauvreté. Ça t'amène vers trop de critiques par rapport à toi-même et ton intuition. Genre, on te fait croire que depuis que tu es né, voilà. Quand j'ai accepté Christ, j'étais dans une église nigériane en Angleterre qui était. Donc ça a fait, j'ai cru que depuis là, je n'étais pas en vie en fait. Donc ça te fait rejeter tout ce que tu étais avant. Genre, c'est nous. Ici là, c'est la voix. Tout ce que tu connaissais avant, ce n'était pas ça. On tire toujours de tout. Everywhere you've been. Tout ce que tu as fait. Tout ce que tu as été. Tu tires quelque chose. Tu tires. Donc, quand un esprit vient commencer à te dire, rejette totalement ça. Donc, il n'y avait rien de bon dedans. Toutes les années qu'il était là, donc il n'y avait rien. Ça, ce n'est pas un esprit qui veut que tu avances. Et croyez-moi, vous serez surpris de voir, quand vous avez commencé à appliquer les deux, trois trucs là, vous allez voir que il y a des choses que vous, sur lesquelles vous vous basiez pour faire votre vie. Les marabouts sont là pour vous prendre, mamie. Je veux faire comment? Si tu veux partir avec le marabout, tu pars, non, maman. Hein? Oh, Tchangé Mirela. Takanang, pardon, mamie. Ils viennent ici là vous prendre. C'est ici là que les marabouts viennent vous chercher. Je leur ai déjà dit, lavez vos selles, achetez mes produits, les marabouts, vous utilisez, les gens vont venir. Pardon, laissez-moi. Donc, tu vois le genre d'esprit qui fait que ça te fait un lavage de cerveau. That is not good. Donc, on lave ton cerveau de telle façon, on te dit que ça, c'était pas bien. Non, tu dois savoir regarder en arrière et te dire, j'ai tiré quelque chose de là. Voilà ma leçon. Ou encore, ça te fait croire que peut-être que, oh, comment je peux dire? Toute église dans laquelle tu es passé t'a appris quelque chose jusqu'à ce que tu sois dans la lumière. Tout endroit où tu es passé, tout texte t'a appris quelque chose avant que tu ne tombes sur celui avec qui tu es. Et même si celui avec qui tu es n'est pas le bon, il va t'apprendre quelque chose avant que tu avances. Voilà. Donc, l'esprit qui vous fait tout rejeter, l'esprit qui vous fait juger les gens, l'esprit qui vous fait accepter la souffrance. C'est le plan de Dieu, le plan de Dieu, le temps de Dieu, je dois souffrir. Seigneur, je souffre depuis. Je suis en train de vous apprendre à discerner. Tu es en train de me dire que tu vas apprendre à discerner. C'est quoi votre problème? Bonjour Barbie. Ça va Barbie?
Tu m'as écrit l'autre jour, après j'ai dormi. J'ai bien pas lu ton message. Il y a aussi quelque chose que cet esprit-là a. Il vient, il veut te juger. C'est l'Éternel qui va nous juger. Vous suivez? Oh, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Vous voyez que je ne donne pas trop. Quand j'enseigne, je ne suis pas trop. Parce que je pense que la conviction va venir de chacun. La conviction de chacun pour sa direction, pour son appel, en fonction de sa planète, ça viendra de l'intérieur de lui-même. Et il n'y a que la conviction qui vient de l'intérieur de quelqu'un qui peut marcher. Hmm? Tu aimes quand je me fâche? Si tu me vois alors quand je fais l'amour. Ouh! C'est bien que vous ne pouvez pas tous voir. Quand il me fâche, je suis belle. Quand il fait l'amour, je suis encore plus belle. Bon, l'esprit des blagues vient de l'avenir. Pardon, sort, j'enseigne. Laisse-moi. Laisse-moi là-bas. C'est quoi? Donc, il vient et veut anéantir les choses que tu as commencé à faire. Et quand l'esprit là te fait faire quelque chose, après tu te sens mal. Moi, il peut dire, tu fais tes vidéos, non? Tu enseignes. Bon, tu n'enseignes pas encore bien, non? Tu vois un peu. Tu te débrouilles à ton niveau. Il vient. Non, ce que tu fais, ce n'est pas bien. Tu n'enseignes pas bien. Vraiment, tu n'es pas encore prête. Cet esprit a tendance à détruire tout ce que tu as commencé à faire. J'ai la bougie sur les doigts, c'est pour ça que c'est blanc comme ça. Ça, ce n'est pas un esprit que tu dois écouter. Peut-être que tu es en train de me regarder, tu dis, ah, elle est bien, vraiment, tout ce qu'elle fait, c'est bien, waouh. I'm good, thank you, I'm fine. Waouh, je ne peux jamais être comme ça. L'esprit que tu dois suivre normalement, c'est celui-là qui t'encourage toujours. Well done, c'est bien ça. Ok. Même si tu échoues, bon, on va encore essayer demain. Parce que beaucoup de personnes, au nom de Jésus, non, ne fais pas ça. Je vous dis toujours, écoutez-moi d'abord longtemps avant de chercher à me parler. Je ne cherche pas les. Ne cherchez même pour vous abonner. Ne t'abonne pas, chérie. Ne te dérange pas. Et tu dis que l'esprit qui prône l'amour. Quand tu dis l'amour, là, l'amour, ce n'est pas seulement tu me couches, on monte sur moi. Tout ce que vous dites, oui, j'accepte, oui, oui, oui. Donc même l'amour doit être redéfini. Un petit truc comme ça. Je suis trop émotive. What is that? What is that? Hein? Mais bien sûr, on peut se marier avec les autres. Ouais, bien sûr. Tu parles même de quoi? Toi aussi. Peut-être que quelqu'un vient ici là, il dit Jésus t'aime. Il commence. L'amour, c'est une science. C'est une science. Les gens ne connaissent pas. Beaucoup de personnes ne connaissent pas l'amour. On croit que l'amour, c'est parti. Ouvrez les bras, on te pique. Tu dis, vous me... Jésus a déjà fait ça. Quand il était sur la croix, les gens qui l'ont crucifié et qui l'ont piqué, il a dit que pardonne-leur. Il a déjà fait ça. Voilà. Donc, ce n'est plus ton boulot. Et si tu meurs, tu seras monté gratuitement. Gratuitement. Donc, et l'esprit, quand il te prend, quand c'est le bon esprit, il ne va pas faire, tu vas faire comme une, tu seras comme une folle. L'esprit parle. Excusez-moi. S'il vous plaît, excusez-moi. Non, c'est pas comme ça, ok?
Quand il commence, tu as le pouvoir de lui dire, arrête, calme-toi. Calme-toi. Il va t'emmener. Oh, non. Va s'arrêter. Va se comporter. Ah, il y a souvent les gens qui m'appellent. J'écoute ça. Ok, ok. Ne me faites pas peur. Parce que ceux qui sont avec moi sont plus puissants. Tu me contactes depuis la Belgique, chérie. Tu veux quoi, mamie? Tu veux qu'on fasse quoi ensemble? Tu as acheté mes produits. Écoutez-moi, étape 1. Lavez vos selles, étape 2. Achetez mes produits, étape 3. Payez votre dîme. Faites des offrandes chez moi. Avant de chercher à me parler. Quand tu fais tout ça et que tu vois que tu veux toujours me suivre, tu peux payer ta dîme chez moi 2 fois. Après, tu penses que je t'énerve. Tu pars. Ça ne me dérange pas. Tu peux venir, tu prends mon produit 1 fois. Après, tu dis que ah, je t'énerve. C'est pour ça qu'avant qu'on ait on soit en relation, hein? Avant que notre relation ne se lance, on doit s'assurer qu'on ait fait l'un pour l'autre. L'esprit là ne vient pas. Tu peux décider de ne pas obéir à ce que l'esprit te dit. Hmm? Vous suivez, non? Tu dis que je suis blagueuse. Hein? Je suis en train de... je vais faire un groupe où il y aura... Vous allez payer un abonnement peut-être de 6 euros le mois. Et je pourrais vous avoir... Parce que même sur TikTok, j'ai vu qu'on peut faire, ça. Oui. Vous allez sur mon site, vous pouvez voir sur Linktree. Il y a un lien là-bas pour payer sa dîme. Donc, je crois qu'au Cameroun, vous pouvez payer. Et si vous choisissez la monnaie de l'Afrique de l'Ouest, vous pouvez aussi payer. Donc, les pays de l'Afrique de l'Ouest, là, vous pouvez aussi. Commencez à aller payer sur mon site, s'il vous plaît. Oui, j'envoie les produits à Londres. Tu me vois comme ça là que je ne peux pas envoyer à Londres. Mais, je vais en dessous. Donc, j'expliquais quelque chose par rapport aux esprits là. Le discernement des esprits va vous aider. Autre chose. Quand tu finis d'écouter l'esprit là, non. Tu te sens comment? Est-ce que ça te fait, tu doutes de toi, après tu commences à dire, donc je suis... Parce que les choisis, hein, vous êtes déjà très guidés avant. Très. Mais parfois vous arrivez quelque part, vous dites que bon, il faut forcément que je passe à l'école de théologie. Comme je n'ai pas fait l'école de théologie, là, je suis sûr que Dieu ne me parle pas. Parce que tu as vu dans l'église où tu es, tout le monde a le diplôme en théologie. Depuis longtemps, vous avez déjà écouté. Oui, à Côte d'Ivoire, nous sommes en face... ouais, la bougie. Nous sommes en face de l'école primaire, le groupe scolaire Les Petites Abeilles. Groupe scolaire Les Petites Abeilles. C'est à côté du supermarché Bellecôte, à Abidjan. J'ai un magasin à Abidjan. Je n'ai pas seulement un, j'ai un magasin. Donc, vous devez faire confiance en ce que vous recevez. Et je dirais que chacun a son guide. Maintenant, vous devez demander à avoir votre tribu, que vos gens viennent à vous. Dans ma bio, il y a un lien, Linktree, vous cliquez dessus. Je vous ai dit qu'on a arrêté l'arnaqueur. J'avais un plus grand arnaqueur qui dérangeait beaucoup. Donc, on a arrêté le chef bandit. Il nous a fait, on a passé au moins ces 6 mois de... Ça, c'était ça en soi-même, c'était un combat. Donc, en même temps, ça a été bien parce qu'on a fait... Faites tout ce que vous voulez maintenant, allez sur le site. Vous avez un lien là-bas pour qui vous amène sur Contactez-nous, vous écrivez. Ouvert les dimanches.
Ok. Je suis disponible dans environ 20 minutes parce que j'étais en direct en même temps que je vois vos messages. Faites une liste des priorités de travail, comme ça on verra. Discerner les esprits. Et n'ayez pas peur. Si quelqu'un vient te dire que si tu ne fais pas ça, c'est qu'on va te frapper. L'esprit ne menace pas. Il frappe seulement, tu vois. S'il faut frapper. Et beaucoup de frappes ou quoi que ce soit, c'est à cause de votre désobéissance. Écoutez, votre propre désobéissance. Je suis belle, je vends les produits d'une jansan. Donc moi-même, je mets sur moi d'abord. Tu as compris? Comme tu dis que je suis belle là. Vous suivez, non? Mon jansan donne, vous riez, regardez mes doigts. J'ai touché le ndobie, ça a vendu mes ongles bleus. Mais bon, voilà mes doigts. Je n'ai pas les kento, non. J'ai les kento. J'ai les kento. Hey, peut-être que j'ai les kento, Non. Bonjour, Gaïe. J'ai les kento. Non. J'ai pas les kento, ok. Les kento, c'est mon nom, quoi. Peut-être que j'ai... Ok, continuons. L'esprit ne viendra pas vous menacer. Parce que... Tu peux avoir quelqu'un qui vient et te parle. Quand il te parle, l'esprit qui est en lui... Trigger, ça te provoque. Hmm? On ne met pas la crème entre les doigts. Ah bon? J'ai compris. Merci beaucoup, chérie. Ça blanchit là, entre les doigts. Ici, là. Ça veut dire qu'on va le faire comment pour se oindre si ça ne doit pas toucher entre les doigts. On va se oindre comme ça, là. Comme ça, là. On ne fait pas comme ça, là. Ben, autant mieux se laver les mains après. Moi, je me lave les mains en même temps. Ok. Pardon, laisse la crème pour l'instant. Attends, parle de spiritualité. C'est l'autre là qui me plaît. Continuons. Donc, quelqu'un vient, il te menace. Mais avant ça, il a besoin d'avoir accès à toi. Pour avoir accès, il faut qu'il dise quelque chose qui va te provoquer. Au départ, il peut venir avec les prophéties qui sont... Qu'on ne vous attrape pas avec les prophéties. Mais je vais. J'ai dit que quoi? C'est pas parce que quand la prophétie sur sa vie, sur ta vie, c'était ça, que tu vas l'écouter une fois. Mmh? Alors, tu as demandé quoi? Hein, Mathieu? Tu as même le nom de ma grand-mère. Oh, en tout cas. Tu veux me rencontrer? Demande d'abord tes guides. On se rencontre. On se rencontre parce que... Maman, deux abonnés. Oh, oh. Oh, oh. Deux abonnés. Deux abonnés viennent aussi parler. On ne répond pas, on continue. Ce n'est pas parce que quelqu'un vient prophétiser sur ta vie. Ouh, je te vois. Ouh. On peut te voir, on sait que tu es censé faire dans l'amour de chérie. Hum? Je vois que tu vas faire dans l'amour. Oui, ce n'est pas parce que tu m'as dit ça que tu vas... Vous avez besoin de discernement. Ah ouais, tu ne peux pas manquer ma boutique. Il y a ma photo devant. Si tu arrives, tu ne vois pas, tu rentres. Tu as suivi, non?
Ma boutique à Abidjan, il y a ma photo grandeur nature, 1,70 m dessus. Oui. 1,70 m, tu peux pas manquer. Donc je continue. Ce n'est pas parce que quelqu'un est venu te dire deux mots sur toi. Tu as dit, waouh! Comment tu connais? Test. Même quand l'esprit là commence à parler, tu rencontres quelqu'un qui commence à te parler. Demande à tes guides. Qu'est-ce que la personne dit? Like, qu'est-ce qui est derrière ceci? Who is behind this? Qu'est-ce qui est derrière ceci? Est-ce que ceci est bon pour moi? Quelqu'un peut venir te parler. Quand il finit la conversation, tu as la peur. La peur, c'est un mauvais esprit. Tu vois comment ta vie est un peu déstabilisée. Tu viens de finir un jeûne là, hein? Tu as fait ton trois jours de bain de pipi. Le troisième jour. Bam, bam, bam. Quelqu'un arrive. Tu donnes envie de tomber amoureux. Oh, c'est super. Oui, ma chérie, je te vois. Je ne sais pas ce qui m'a amené ici, hein? On ne m'attrape pas avec ça. Je ne sais pas pourquoi je suis venue. En franc congolais, dollar, en dollar là, c'est 180 dollars à Kinshasa. Pour payer la dîme au Gabon, mon numéro c'est le 074-18-0080. Vous cliquez sur le lien, vous allez sur contacter nous. Vous cliquez. Vous dites, je veux payer ma dîme. Je fais comment? Et vous priez sur votre dîme. Je vous en prie. On poste les produits au Sénégal, mon cher. J'envoie les produits dans tous les pays. OK? Contactez-nous. On va poster. Le bureau, les magasins se trouvent à Libreville, à Abidjan. Quand la personne finit de parler, tu te sens comment? Parce que pendant que la personne parle, ça t'active. Oui, oui, oui. Et quand il te donne les instructions, est-ce que ça correspond à ce que toi-même dans ton cœur, on t'avait déjà dit? Le discernement est important parce que plus vous allez monter, plus les gens vont venir en faisant semblant. Plus. À Libreville, c'est en face de l'hôtel de lui, à la montée là, la rue de l'Odika. Tu laisses l'Odika sur ta droite, Kofina, Odika. Tu montes. Quand tu arrives au sommet de la rue, tu vas voir mon local en face de toi. Avant de tourner à droite pour aller vers la statue de lui. Rue de Paye, non. J'arrive au Cameroun peut-être le 30, comme ça, là. Donc, je peux te voir le 2. Premier ou le 2. Ah oui, Paris et Londres. C'est bientôt. C'est bien. C'est super que tu aies vu ça. Paris, c'est imminent. Je ne vous ai pas encore annoncé. Congratulations, you have seen the glory of God. Tu as mal à l'estomac. Tu viens me dire alors qu'il fasse comment, non, Audrey? Ouais. Tu me dis que tu écris, je ne vois pas. J'enseigne aujourd'hui sur l'augmentation des pouvoirs. Tu m'as balayé ton mal à l'estomac. Oh, tiens, mais là. Et t'as quand même là? Match, on ne paye pas chez moi le jour où on vient. Tu payes, je t'ai dit le 2.
Va dans mes locaux, tu payes ou tu envoies l'argent. Tu dis que ça, c'est pour la voix tel jour. Moi, j'ai fait mes trucs sur rendez-vous. Comment avec tes perruques, là, ça augmente le pouvoir? Hé! Hey! La perruque du lion. Mon frère. Ça, là. Là, c'est la crinière. Ça, c'est la crinière. Tu comprends? Non testé, mi. Depuis combien de temps vous m'avez vu avec ça? La dernière fois qu'elle fait ça, c'était en 2017. Vous parlez quoi? Ah, les cheveux de la gloire glorieuse. Ça là, ça c'est l'élévation. Ça. Ça c'est le feu. Ce n'est même pas la perruque qu'on a mis dans mes cheveux. Mes cheveux ne sont pas si courts que ça. On a mis sur mes cheveux. Bon. Il y a encore un autre truc que je dois vous dire. Ce n'est pas parce que quelqu'un connaît un de tes plans, qu'il a pu voir une de tes choses, que la personne a le droit de parler sur ta vie. Awa, il faut prendre le kit fondation pour commencer, Awa. Dans le magasin de Paris, ça arrive. Vraiment. Moi-même, je vais venir inaugurer. Il ne peut pas faire autrement. Tu as reçu ton kit fondation hier. Pose les questions à mes secrétaires, papa. Il y a le service après-vente. Ne viens pas dans le direct pour me poser les questions. Fais le travail le matin et le soir. OK? On poste au Kenya. Oui, par DHL. Je dois absolument... Il y a des personnes qui attendent la suite de ce que je parlais pour le discernement d'esprit. Ces esprits-là ont été dit que ça s'accroche sur tes peurs. Ça s'accroche sur tes peurs. Et ce sont les choses que toi-même, tu avais... J'ai fini le kit fondation, tu prends le kit, demande un lavage et tu prends le kit déblocage. Maintenant, tu as un problème de ventre, tu prends le kit des envoûtements une fois. Store Beauty, c'est une chose avec moi. Quand je dis quelque chose, il est fait. Ça te dérange même pas. Ce n'est pas dans le temps des hommes, mais je fais. Le mot patience, c'est mon troisième ou cinquième nom. Quand ils écrivaient cela de naissance, il n'y avait plus l'espace pour qu'on mette patience. Non, j'ai la patience. Il n'y a que dans les relations que j'ai pas moi la patience. Tu me fais chier, t'en vaux champ. Mais si c'est toutes les autres choses là, j'ai la patience. Go, piap. Vous devez savoir comment l'esprit fonctionne. Donc, je parlais du discernement. Quand la personne te dit quelque chose, si tu vois que ça te déstabilise trop, laisse. Laisse la nuit passer. Parce que tout ce qu'on te dit et qui est bien, qui vient d'en haut, ça doit élever ton esprit. Tu sens que tu étais un roi dans ton ancienne vie. Comment confirmer ça? Une fois que tu as confirmé, tu vas faire quoi? Tu vas devenir riche. Tu devrais plutôt t'inquiéter pour devenir riche, monsieur. On poste au Togo. On envoie les produits au Togo. Beaucoup d'entre vous. Tu n'as pas reçu ton colis, Fabiola. Je sais que tu es qui? Je sais que tu as écrit d'où? Pourquoi tu n'écris pas au standard? Tu demandes ton colis.
Pourquoi tu fais ça, Fabiola? Hé, hey, mamie. Tu n'as pas reçu ton colis. Pourquoi tu n'écris pas? Tu demandes aux filles. Comme ça, elles vont checker. Attendez, il y a un scammer qui est sur ma page. Là. Attendez, il n'est pas le supprimer. Je reviens. Pour Pierre Gossard. Beaucoup d'entre vous, votre pouvoir est d'en haut. Et vous n'avez pas besoin de trop d'objets, trop d'incantations. Ne vous laissez pas. Il y a les êtres de lumière du haut astral. Il y en a du moyen, il y en a du bas. Sabi, écoute-moi quelques minutes. Tu peux voir avec quel esprit je travaille. Mon esprit n'est pas pour tout le monde. Si c'est que ce n'est pas bon pour toi, c'est que peut-être ce n'est pas bon. Ok, ma chérie. Voilà. Je veux le discernement de chacun. Ceux du bas sont trop concentrés sur les... Ça, c'est la bougie. Bon. Ceux du bas sont trop concentrés sur les petits, petits détails. Fais comme ça là pendant 5 jours. M'enlève les chaussures. Fais comme ça. Fais comme ça. Ceux du haut. C'est comme la grand-mère qui sautait le riz. Avec le sel et les oignons. Tu manges ça, c'est bon, puisqu'une jeune fille qui a utilisé 50 épices. Vous suivez? C'est pour ça que ce n'est pas la finalité, mais c'est l'intention. L'intention qui couvre. Bonjour. Larry, comment tu vas? J'espère que les bébés vont bien. Le grand bébé avec les petits bébés. Ok. Donc, tu vas voir que quand il dit, il va te donner 50 choses. Tu vas faire ça, 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 ça. Une autre personne va te donner une chose. Et vous savez, ma chose, c'est quoi? La chose première que je vous donne à chaque fois, c'est quoi? Dites-moi. Si vous ratez l'autre, c'est là, c'est que vous ne me suivez même pas depuis. Le sel. Le sel. Quelles sont les différentes utilisations du sel? Non, je vais très bien, Larry. Merci. Le sel. Laver la maison, mettre autour du lit. Déblocage, purification, bain d'urine et sel. Ce n'est pas la multitude des choses que quelqu'un m'a dit qu'il utilise. Maintenant, certains d'entre vous, vous êtes des enseignants. Et votre connexion ou vos enseignements ne viennent même pas de quelqu'un.
C'est que quand vous m'écoutez souvent, c'est ce qu'on t'a dit que tu dis, ah, ça confirme ce qu'on m'a dit. Ah, ah. Et parfois, quand vous m'écoutez, ça provoque, it triggers you. Ça vous rappelle aussi ce qu'on vous a enseigné. Parce que beaucoup d'entre vous, on vous a enseigné dans le rêve, vous avez réussi à vous oublier. Donc, ça vous rappelle. Pour d'autres, mon enseignement vous ancre. Ça vous stabilise. Tu aurais pu aller regarder un film. Tu aurais pu être sur Netflix depuis 2 heures de temps, mais tu es en train de m'écouter. Tu aurais pu être sur... Donc, il y a 50 choses que tu aurais pu faire, mais tu es en train de m'écouter. Donc, ça, c'est en train de te stabiliser. On n'explique pas dans mon direct. Va regarder dans mes vidéos là-bas. Ah, Christelle dit qu'elle vient de me connaître. Elle a rêvé de moi en train d'empêcher les démons de l'atteindre. Ah ah. C'est super. C'est bien que tes guides te montrent. Je pense que certains d'entre vous, vous avez le discernement ou la clairvoyance. Certains, vous pouvez... votre don prophétique vous permet de... que dans le spirituel, vous écoutiez. Vous avez toujours dit qu'avant de venir à moi, je suis appelée pour travailler sur les élus. Et la plus grande partie de mon travail, c'est à travers mon enseignement. Donc, même si tu n'achètes jamais mes produits, j'ai à travailler sur toi. Trop tard. Too late. J'ai à travailler sur toi. Beaucoup de vos pouvoirs viennent d'en haut. Ça vient d'en haut, celle-là, mais les gens du bas, il y en a même parmi vous, on vous a fait, on vous a dit que la seule façon pour vous d'exercer, c'est que il faut que vous partiez en formation chez quelqu'un, après vous mettez sur la table, la chaise, désolé, cric, cric, cric. Il vous fait asseoir sur la table. Oh, pourquoi? Il vous asseoir sur la chaise. Oui. Et après, on te dit que tu es déjà, on t'a déjà intronisé. Beaucoup de personnes d'en haut, vous êtes intronisées déjà spirituellement. Oui. On t'a déjà intronisé. Tu es déjà... Ah, pourquoi vous ne voulez pas savoir ça? Pourquoi? Et ma grand-mère. Grand-mère. Hi. Mais mes grand-mères étaient belles. Mes grand-mères étaient belles. Enfin, que vous allez comprendre mes grands-pères. Beaucoup de vos pouvoirs n'ont pas besoin de quelqu'un. Quand le moment viendra, on t'apportera l'aide qu'il faut. Et beaucoup d'entre vous, ce n'est même pas n'importe qui peut travailler sur vous. Not everybody can work on you. Yes. Nathalie, tu vas venir m'enseigner la peinture ou bien le dessin. J'ai tellement envie. Je sais que je dois apprendre, mais je crois que lors d'un de tes voyages ici, on va se focaliser juste sur ça. Et je suis que quand tu travailles, ça va être très spirituel. Ça va être une sorte de canalisation d'énergie. Bye. Allez à la messe. Tu pars à la messe, tu me dis pourquoi. Faut me laisser. Bonne messe. Quand je venais de commencer, il y a une... Je n'y connaissais absolument rien.
I didn't know anything. Oui, Nathalie, je vais peut-être dans un... L'année prochaine, on va organiser des trucs comme ça. Comme ça, ceux de l'Europe pourraient venir. Quand j'ai commencé... Tu vois, tu commences et quelqu'un vient, je connais. Moi, je suis dans... Après, comment t'as dit que fais comme ça, mets ça. Je travaille avec les ancêtres, mais je ne suis pas dans le... Les anciennes façons. Trop. C'est fait que j'ai travaillé avec les gens qui étaient dans le truc des ancêtres, trop, genre, vraiment, tu vois. Et qui ont voulu se dire que... Mais mon appel est venu parce que je sais pas que ça vient d'eux. Je leur dis toujours, c'est pas vous qui m'avez appelé. Sans arrogance. C'est pas vous. Et les outils des agents d'en haut sont différents de ce que tout le monde connaît. C'est un peu comme si tu n'as pas d'outils fixes. Aurélie, tu m'as salué, je n'ai pas répondu. Donc, vous n'avez pas d'outils fixes. Et aujourd'hui, tu peux travailler avec la bougie. Demain, tu travailles avec lui. Après-demain, j'ai même mis de mes pieds, c'est là que j'ai oublié. Tu travailles avec ça. Donc, le jour qui suit, vous me comprenez. C'est pour ça dans le passé, quand j'ai eu des collaborateurs qui sont venus et qui ont volé, les personnes avec qui j'ai travaillé, qui ont vu ma façon de faire à l'époque, ils se sont dit, oh, même si tu pars, mes produits, je les change. Je change mes produits, tous les compositions, je ne sais pas. Parce que je reste, on me dit, ah tiens, fais ça. Donc, on ne peut pas vous saigner. Et c'est ça le but en fait. On ne doit pas te saigner. Aurélie, tu es nouvelle sur ma page. Je suis en train d'enseigner. Tu arrives quelque part, les gens sont en train en réunion. Tu arrives en retard. Tu dis à l'orateur, bonjour! Non, ne m'appelle pas marraine. Arrêtez votre truc. On ne me flatte pas avec des bêtises. Arrêtez. Je suis en train de te monter la scène. Je me suis arrêtée de parler pour te parler maintenant. Est-ce que c'est poli pour les 400 personnes qui sont en train de me regarder? J'ai 500 personnes sur les deux plateformes qui sont en train de me regarder. Vous savez, le savoir-vivre, c'est les cours qu'on a de nos adultes de nos jours. Donc, sachez vivre. Sachez vivre. Même par respect pour moi. Tu m'as salué. Je n'ai pas répondu, tu n'as pas vu. Parce que vous avez dit que je suis insolente. Faut arrêter. On n'a pas fréquenté ensemble. Je ne suis pas ta sœur. Tu arrives, je viens commencer à enseigner quelque chose depuis. Je parle. Non, tu veux que je m'arrête pour te dire bonjour. Maintenant, je ne sais pas si je dois te bloquer ou pas. J'ai dit hier, avant-hier, j'ai dit qu'il ne bloquait plus les gens. Mais pas tu arrives en retard, tu te faufiles seulement, tu t'assois derrière. N'est-ce pas, c'est comme ça qu'on fait? Donc je continue. Jusque-là, il ne t'a toujours pas dit bonjour. Voilà. Franchement, je n'aime pas ça. Beaucoup, vous venez d'en haut. Et ce que vous portez
Romains 8, verset 14. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont les fils de Dieu. Vous n'aimez pas les restrictions, vous n'aimez pas les... C'est pas que parce qu'on t'a laissé que tu es conduit par l'Esprit, tu vas aller faire la folie, non. Mais en même temps, liberté ne veut pas dire que la discipline est à équité. Quand quelqu'un est libre, ça ne veut pas dire... Tu es libre physiquement, mais tu ne fais pas. C'est comme quand tu fais le régime. Tu peux manger si tu veux, mais tu ne manges pas parce que tu sais que tu ne dois pas manger. Monsieur Dominique, ce que tu dis est très profond. Mais malheureusement, j'ai... J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ne veulent pas. Quelqu'un a commenté sur Facebook, ça fait peut-être 3 jours. J'ai mis un post et c'était assez profond, trop profond pour certaines personnes. Et les personnes ont commencé, je ne comprends pas, ça veut dire quoi? Et là, il est venu, il a dit, vous aimez que les autres viennent, qu'ils aillent chercher des révélations, ils apportent, vous mangez ou bien vous gobez. Alors que vous avez tous la capacité. Ako, bonjour. Certains, vous avez désobéi parce que vous vouliez vous assujettir. Parce que tu pensais que tu as besoin de son argent à lui. Bon, je vais vous donner un exemple. Quand je suis arrivée au Cameroun, je me suis rendu compte que tu peux avoir le crédit par certaines microfinances. Et quand je voyais tout ce qu'ils demandaient, le hic ou le petit blocage qu'il y avait, c'était que pour chercher quelqu'un qui va être ton garant ou bien t'avaliser. Chacun, c'était que des dragueurs en fait. J'aurais préféré que quelqu'un me dise, bon, si tu veux un crédit de 50 millions, donne-moi 1,5 million. Je te donne mes papiers, tu vas, les papiers de mes engins ou bien de mes, je sais pas. Je me place comme ton avaliste, un truc comme ça. Mais de là à dire que je suis avec lui parce que le moment venu, il va me donner le crédit. Ou bien il va venir donner ses papiers pour qu'on me donne le crédit. Tu te mets dans une prison. Et les agents d'en haut, vous avez des missions et vous avez le financement qui viendra aussi. Et ce financement viendra quand tu es prête. Beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas encore décidé que vous allez servir. J'ai des relations, j'ai arrêté avec l'homme parce que il n'était pas prêt. Bon, je vais aller au Canada, je veux devenir riche, je veux devenir... C'est pas bon. Et accepter l'appel, ça veut juste dire que tu acceptes de mourir. Un jour, j'écoutais Neville Goddard et c'était en 2018. Je me rappelle très bien de cette révélation. J'étais au Basic Fit, je courais, je faisais beaucoup de sport avant. J'étais sur le treadmill. Et là, il disait, tu ne peux pas comprendre le feu si tu restes en haut. Pour ça, il faut que tu tombes dans le feu. Ça te brûle, tu deviens le feu.
Ton esprit charnel va dire, mais si tu tombes dans le feu, tu meurs, non? Tu prends une graine, tu mets dans la terre. Soit c'est la graine que tu récupères, soit c'est le maïs, les épis de maïs. Et pour ça, moi, mes meilleurs compliments, c'est quand les gens me disent que j'ai changé. Si j'ai fait 6 mois, je n'ai pas changé, c'est que ce n'est pas moi. I must change. Surtout que son caractère. Mais tu as changé. Oh, thank you, thank you, thank you, thank you. Oui. Parce que sache que dans ton caractère, il y a toujours quelque chose qui fait que ça retienne ce qu'on veut te donner. Vous comprenez? Tu prends le maïs, tu mets dans la terre. 3, 4, 5 mois plus tard, quand tu viens récolter, est-ce que tu creuses encore les racines pour trouver le grain? Mais il y a eu une étape où la graine a disparu. La graine n'est plus là, on ne peut plus la trouver. It's nowhere to be found. Mon père avait des projets pour moi. Je l'ai déçu. Le jour de la plus grande déception de mon père, c'est quand il a décidé de venir en Afrique, que je viens poursuivre ma mission de vie. Ah! Je suis arrivée, j'ai fait 3 mois sans le voir, sans même lui dire. Il a entendu dans les coulisses que j'ai appris que tu es rentré en Afrique. J'ai passé encore 2 ans de galère et de honte. Il y a la semence, il y a le temps et il y a la récolte. Le temps là, time. Mon temps, parce que mon appel a commencé depuis 2012. Décembre 2012. Quand j'étais en Europe, je poursuivais beaucoup les papiers. Du coup, j'avais décidé de me compromettre en même étant un homme pour ces papiers. Ils ont fait ça, échoué jusqu'à balancer les pieds en l'air. Depuis décembre 2012. Recherche de papier. Comme ça qu'elle a commencé. Après, je dis, Seigneur, je ne veux même plus les papiers. Je ne veux plus les papiers, Seigneur. Ok, tu veux qu'elle fasse quoi? Me lever le matin et pas, j'évangélise dans les rues. Après, j'avais créé ma plateforme en ligne. Où j'apportais des conseils aux gens. Un jour, Dieu m'a dit, arrête. Les autres commerces que tu fais, concentre-toi sur ça. C'est difficile. Je dis, mais c'est ça qui me donne l'argent. Je coiffais les gens, j'étais coiffeuse. Parce que quand tu n'as pas de papier en Europe, il n'y a pas beaucoup de métiers que tu peux faire. Pas de papier, pas de diplôme. J'apprenais beaucoup. Autodidacte. Beaucoup. I taught myself English. I can speak and I can write. I can do anything in English, even better than people that have been to university, people that have paid a lot of money for it. I didn't. L'une de vos capacités, c'est que quand vous acceptez l'appel, il vous équipe. On te donne la grâce. La grâce. Oui. La grâce pour faire. Tu étudies. Il y a les nuits où je ne dormais même pas. J'avais mon premier bureau, j'avais pris à Reims. L'avenue Eisenhower. Eisenhower. Je payais 280 euros le mois. Je n'avais pas de clients. Hein. Mais pas à la fois, je partais là-bas. J'avais aménagé mon bureau bien là. Aujourd'hui, j'ai combien de campus? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ça fait 6 ans. 6 ans plus tard, j'ai 1, 2, 3, 4. Je ne sais pas qu'on peut compter le nombre de mes bureaux. Hein. J'ai dans plusieurs pays. Les gens quittaient les bureaux vers 17h30, entre 17h30 et 19h, plus les plus tardifs. J'entrais en salle de conférence qu'on avait en commun dans le bâtiment pour enregistrer mes vidéos de 20h parfois jusqu'à 1h. Et
quand je finis d'enregistrer, je reviens au bureau, je me couche sur le canapé en cuir que j'avais acheté à 100 euros, je pense. Et c'était très encore bonne condition. Je me couchais dessus, je mets Audible, je mets le livre, j'écoute. Je m'endors vers 3h30. Je me réveille à 6h30 avant que tout le monde vienne. Je rentre à la maison avec le premier tram. Je dors quelques... Parfois, je ne dormais même pas à la maison. Ce qui fait que j'avais 3 heures de sommeil. Je reviens au bureau. Donc, je parle principalement pour me laver. Après, je reviens. L'énergie pour travailler la nuit. Hein. C'est comme si la nuit, il y a plus les courants énergétiques sont plus fluides. Et c'est calme. Le téléphone même ne sonne pas beaucoup. Pas de notification WhatsApp, pas de ceci. On ne t'appelle pas. Donc, ton esprit peut être plus concentré. Et il y a des choses que vous avez vues. Beaucoup de personnes n'ont pas cru en vous. Il est temps que vous croyiez en vous. Ça va marcher. Moi, j'ai toujours été ma première fan. Fan number one for me, moi-même. J'ai toujours été mon propre cheerleader parce que chaque fois que j'ai dû me séparer de quelqu'un parce qu'il ne voulait pas, il ne comprenait pas où je partais. Je me rappelle une fois, je sortais avec quelqu'un qui m'amenait un peu dans les faux trucs qui impliquaient la police. Je lui ai dit, tu sais, je ne peux pas salir mon casier judiciaire parce que je sais que je serai connue. Je ne peux pas. Je lui disais en 2017, je ne sais pas comment, mais je sais que je serai connue. Et même ce que j'ai actuellement, ça n'a même pas encore commencé. Je sais que ce que j'ai va toucher les gens, voilà. Ah, je te dis comme ça, parce qu'on va dire que connu, les gens vont te dire, non. Ça veut dire que mon message va toucher plus de personnes. Vous devez avoir la foi en vous plus que toute autre personne. C'est ce que tu vois qui fait que tu peux mettre ton temps ou ton argent. Qui fait que tu prends ton argent, tu mets dessus. Je disais à quelqu'un avant-hier que j'ai tellement... Tout ce que vous voyez, je sors l'argent pour acheter. C'est pas direction divine. Je ne dépense pas pour faire plaisir aux gens. Donc, si quelqu'un veut m'offrir quelque chose, il croit que je vais devenir son ami. Non, m'offre pas toi, pardon. Tu as compris? Récemment, j'ai quelqu'un qui m'a fait des cadeaux. Après, la personne s'attendait à avoir un traitement de ma part. Quand elle lui a dit, elle croyait que je mentais. Je suis gênée quand les gens me font des cadeaux. Et c'est des gens que je connais particulièrement. Si c'est quelqu'un qui me suit en ligne. Par exemple, je me rappelle, je suis arrivée sur le doigt là. Un jour dans le direct, j'ai dit que j'aimais bien Dior. Et puis, il y a un monsieur qui... Voilà le parfum qui m'a acheté. J'ai vidé mon sac hier. Je suis arrivée de voyage avec ça hier. Il a dit, ok, je vais te garder ça. Je crois qu'il venait d'Italie. Je ne sais pas. Il est arrivé, il a déposé dans mes bureaux. Je suis arrivée, j'ai pris son numéro, je l'ai appelé. J'ai dit merci, c'est tout. Et un soldat ne peut pas se permettre d'avoir un contrôle qui vient d'une autre personne. Tu ne peux pas. Même si vous venez d'Europe, vous ne venez pas me voir. Ne venez pas me voir, ça ne me dérange pas. Je ne serai pas m'offensé. Il y a souvent des personnes ici là que tous les jours sont dans mon direct. Après, quand elles arrivent au pays, elles... Non, ce n'est pas un problème. C'est pas un problème. Parce que je ne manque pas. D'abord. Deuxièmement, je me suis rendu compte que les Mbengis... Bon, je vais parler de toi, mais tu sais que je ne sais pas pour me moquer de toi. Les Mbengis, les gens qui sont en Europe croient souvent que ceux qui sont en Afrique... Avant d'être en Europe, je pensais ça, en Afrique, il n'y a pas l'argent. Et c'est là que j'ai cherché une voiture à louer.
Elle dit vraiment, elle me donne son tarif qui est le tiers de ce que moi je paye souvent pour ma voiture. Et quand elle voit le nombre de jours qu'elle allait faire, elle disait que vraiment, elle ne pouvait pas et tout. Là, elle dit que venez en Afrique, vous voyez comment on dépense l'argent. Venez. Déjà que très rarement, tu vas voir quelqu'un en Afrique qui a le salaire. Mais si la personne s'assoit, il te dit combien il dépense par mois. C'est là que tu vas tirer ton chapeau. Tu dis que, ok, papa. Donc, une personne, une fois, m'a donné un cadeau et me disait, ah, si tu ne m'as pas apporté, tu me dis. Parce que j'ai acheté ça à 350 000. Ou c'est 350 000 euros. Ou c'est 350 euros. Je ne connais pas. Ça n'a même pas fait 3 semaines. Hein. J'ai vu le vrai visage de la personne. Et j'ai dit, tu es venu chez moi, tu as vu. Même quand ma porte, tu es partie, tu as dit qu'elle était maltraitée. Tu t'es manqué de respect, tout ça là. Quand vous venez, vous avez l'option. Je peux te conseiller l'hôtel 5 étoiles. Je peux te conseiller. Maintenant, ceux qui veulent venir dormir que chez moi, elle avait insisté qu'elle veut venir dormir que chez moi. Après, c'est encore, c'est devenu encore les problèmes. Donc, la mission viendra avec l'équipement approprié. Il y a une époque où je dormais sur le tapis. Il y a une époque où nos chaises au bureau, c'était les chaises en plastique de 4500 en Bopi. Maintenant, mes employés s'asseyent sur, certains sont sur les chaises de 40 000, d'autres sur les chaises de 45 000, 55 000. Morel, c'est parce que quand on dit que reine, parfois quand ils disent que... Quand ils vous disent que je suis reine, 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 je n'ai pas besoin de vous dire. Moi, je suis, c'est tout. Du coup, parfois les gens, ils s'attendent à ce que quand ils arrivent en Afrique, ils voient une fille qui souffre. Je ne sais pas. L'appel... Quand tu réponds à l'appel, c'est le processus. Mais il y a une chose qui est sûre, tu ne vas pas souffrir. L'autre là, prenez ça ou partez à la banque, vous déposez. Que je reviens ici là chercher l'argent de ça. On va te donner. You can take this one to the bank. Donc, je vous disais qu'en tant qu'agent d'en haut, votre intuition doit être votre plus grande puissance. Faites attention aux scammers qui vont venir dans le... Moi, je ne vous contacterai pas. Mon numéro est en haut là-bas, si vous voulez. Donc... Donc, le moment où tu es prête, les projets que tu as, le financement de ça viendra. Oui, sur le chemin, tu ne manqueras de rien. Monsieur l'oiseau. Ah, ah, ah. Quand on dit même tout perdre, c'est ta personnalité que tu perds, pas forcément tes finances. Tes croyances. Il y en a parmi vous, vous êtes trop sensible. Vous pleurez trop. Vous ne pouvez pas vous empêcher d'aider la famille. Ils vous marchent dessus, ils sont jaloux, ils vous bloquent. C'est ma famille, non? C'est ma famille, non? Parce que tu veux quelque part leur approbation aussi quand même. Et ils disent, waouh, c'est bien ça. Récemment, j'ai eu une situation dans ma famille. C'était les personnes qui étaient dans mon inbox souvent me demandaient la bière. Ils ne buvaient pas le jus, mais ils buvaient la bière. Ce sont ces personnes-là qui étaient en train de m'insulter en inbox. Quand on a arrêté le scammer, là, je me dis que ça a fait beaucoup de problèmes dans ma famille. Ils disent que pourquoi je l'ai exposé à la justice. Laissons le fait qu'il m'ait trahi, qu'il a abusé de ma confiance. Il a escroqué les gens. Il a escroqué les gens. Donc vous serez surpris de voir que les gens qui vous flattaient hier, demain sont les gens qui vont vous crucifier.
Donc, vous devez être prêt à tout. Attendez-vous à tout, en fait. Expect anything. Non, il ne buvait pas le jus, non. Non, je ne donne plus mon argent à n'importe qui. Souvent, c'est comme ça, là, j'ai écrit dans le groupe familial que donnez-moi, donnez vos détails à mon comptable, on vous vit même là, 10 000 ou 20 000. Off. Les mêmes gens qui ont bu ma bière là, ce sont eux qui ont après, été derrière moi. Ça sert à quoi alors? Ce n'est même pas question de méchants, hein. Ils font leur travail. Celui qui est méchant avec toi fait son travail. Comme la pluie tombe. Tu n'étais pas obligé de donner. C'est toi qui as donné. Notre vraie famille est divine, c'est ça, Dominique. Donc quand on dit même famille, là, le mot famille doit changer. Parce que ta famille, tu la tires après. Tu la tires, elle vient à toi. Je vous ai parlé d'être d'une même planète avec certaines personnes. Quand tu les trouves, accroche-toi. Ce sont tes gens. Mon nez, c'est un nez impérial. Pam 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 pam. Da 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 da. Da 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 da. Il faut que je regarde un film tout à l'heure. Ah, c'est la chanson pour que je regarde le film. Je vous avais parlé de ma télé. J'ai une télé de 70 pouces que j'ai achetée. La télé là me plaît jusqu'à. Je suis rentrée hier, j'ai regardé un film dessus. Le jeu m'a permis d'acheter la télé. J'ai fait, depuis 2013, j'ai fait combien d'années sans avoir la télé chez moi? J'ai fait 2013, c'est en... J'ai mis la télé chez moi en novembre. La première télé. Après la chaise, m'a acheté les télés. C'est comme si je m'avais libéré pour les télés. Je n'avais pas de télé chez moi avant. C'est en novembre que j'ai moi-même allé acheter la télé pour mettre. Bah, j'ai les meubles, donc du coup, c'était dans les meubles d'avant que j'ai mis la télé. Mais chez moi-même, je n'avais pas la télé. Novembre, on m'a fait acheter la première d'abord 60 ou 65. 65, je pense. Ça fait un mois. J'ai encore acheté l'autre. C'est comme si Dieu a fait le rappel de toutes les années que je n'ai pas regardé la télé là. Et j'ai regardé le film de Le Père de Serena Williams. Oh. Le film là m'a beaucoup parlé. Merci Lady. Laïla. Lalia. Inch'Allah. Que Dieu veille sur moi, mashallah. Que ça se réalise. Donc, hier, justement, ils m'ont donné ce... Attendez, je dois vous donner ce message aussi. Par rapport à... Oh my God. Avec le filtre aussi, je suis comme une... Attendez. Je suis comme une... C'est comme si je suis au ciel. Non, je dois faire une vidéo avec le filtre aussi. Waouh. Ok, attendez. Je vais filtrer, je vais vous montrer. Attendez. Oh my gosh. Les filtres de TikTok, c'est le nez seulement. Donc, le message que j'ai pour vous, c'est par rapport au choisi. J'ai regardé le film sur le père de Serena Williams. Et il y a une période où son père, pendant 3 ans, je pense, le père de Vénus ne voulait pas que, qu'elle fasse une compétition. Il l'a préparé. Le père de Vénus, William, l'a préparé. Et pendant cette période, elle étudiait, elle s'entraînait. Elle étudiait, elle s'entraînait. Et elle faisait des interviews de par-ci, par-là. Beaucoup d'entre vous, vous êtes en préparation. On est en train de vous préparer. Comme un vin qu'on laisse. Tu ne vends pas ton vin? Non. Tu ne vends pas ton vin? Non. Ça s'appelle King quelque chose. Quelqu'un a déjà regardé sûrement ça. Le titre du film, c'est quoi? Si quelqu'un connaît, il peut mettre. Mais écrit seulement la biographie de Serena Williams. C'est plus Vénus. Enfin, plus Vénus. Ça parle du père de Serena et de Vénus. Et le monsieur là insiste beaucoup sur la préparation. Sans qu'elle n'ait même de coach, avec ses moyens de bord, il a appris à traiter, à entraîner ses enfants. King Richard, voilà, merci. C'est ça le titre du film, King Richard. Et le père était... Il y a une réunion, il va avec un très grand investisseur. Il parle avec eux jusqu'à... Il lâche même les gaz. Et quand il lâche même, il n'est pas gêné. Il parle pas plus.
Il lâche les gaz comme ça, les autres regardent, mais il n'a même pas de classe. Mais il savait là où il partait. Donc ses filles sont en train de vivre sa vision. Et quand il parlait à ses enfants, il disait, vous serez. Vous serez. Beaucoup d'entre vous, pendant votre période de préparation, vous avez l'impression que personne ne vous voit. On me dit de vous dire qu'on n'est pas censé vous voir. Vous suivez, non? On n'est pas censé vous voir. Voilà. Donc, le message? Regardez un peu le filtre qu'il y a sur la vidéo aussi. C'est comme si c'était sur le ciel, non? Le filtre aussi est tellement blanc. Oh my goodness. Bon. Comment reconnaître qu'on est appelé? Ça, c'est la question que je posais moi-même avant. Reconnaître son appel, il faut d'abord demander. Ça ne va pas tomber sur vous comme ça sans que vous ne demandiez. Vous devez demander. Et vous ne me demandez pas à moi. Vous demandez à vos guides. Montrez-moi ce pourquoi j'ai été créé. Montrez-moi ce pourquoi j'ai été appelé. C'est quoi mon appel? Demandez vous-même. Là, comme tu m'écoutes là, demande. Demande. C'est bon. Dites-moi, c'est quoi mon appel? Numéro 2, tu dois être prêt que si on te montre, tu n'attends pas que tout soit clair avant de faire. Beaucoup d'entre vous, non, j'attends, j'attends. J'attends d'abord, c'est pas encore clair, tu vois un peu, non? Quand tu demandes ton appel, tu dois être prêt à te lancer sur ce qu'on te montre. Parce que tu vas tâter beaucoup de choses avant de trouver. Oui. Merci pour le titre du film. En anglais, c'est King Richard. En français, c'est la méthode Williams. Merci. Phénomène. Parce que quand tu vas demander, ils vont t'observer que le petit qu'on lui a dit là, elle a fait quoi avec. Donc, une autre chose, pour reconnaître ton appel, tu dois être prêt à tester beaucoup d'appels. Et tu dois être toujours comme le cas qui part. On the go, on the way. Tu fais ça pourquoi? Non, je fais ça parce que je... Donc, pour reconnaître aussi ton appel, tu dois te connecter tu dois te connecter au spirituel, genre, Dieu m'a dit de faire ceci. Mes guides m'ont dit de faire ceci. Je sens que je dois faire ceci. Tu dois beaucoup écouter ton intuition. Tes actes doivent être guidés par tes guides. Si tu te demandes que mes guides m'ont dit de, mais tu ne fais jamais. Tu dois être déjà que, ok, je fais ça parce qu'on m'a dit de. Voilà ce qu'ils aiment. Sinon, ils ne montrent plus. Comment reconnaître son appel? Ton appel aussi, c'est quelque chose que tu as en toi. J'enseigne aujourd'hui. Mon grand-père, le voici. C'était un enseignant. Le voilà. Il s'appelait Papa Chrétien. Il a enseigné à Bafoussam.
Ok? Et il avait sa maison à Tunganville. C'était un homme droit. Il ne blaguait pas. Il faisait un enfant, il le reconnaissait. Il avait deux femmes. Père, ton âme, grand-père. Donc, j'ai compris que l'enseignement, c'est quelque chose qui était dans notre famille depuis longtemps. Et c'est récemment que mon oncle m'a dit que quand j'étais petite, je prenais les enfants, je les faisais asseoir. Il dit que, asseyez-vous, c'est moi qui enseigne. C'est des trucs de moi que j'ai oublié. Hein. C'est récemment que mon oncle m'a dit que ça, c'est des trucs que je faisais dans l'enfance. Donc, ton appel, c'est quelque chose qui est dans toi depuis longtemps. Juste en passant, on n'a pas qu'un seul appel. L'appel est comme un arbre avec plein de branches. Donc, tu peux être appelé peut-être dans l'enseignement, peut-être du moi, par exemple. Tu peux faire un truc sur les vêtements, les enfants, l'éducation, l'amour d'eux. Donc, ça fait un arbre qui a plusieurs branches. Et ce sont des choses que tu reçois plus tôt et ça prend du temps pour se ramifier. Mais dans tout ça, il y a toujours généralement un ou deux par lesquels tu commences et c'est comme si ça solidifie le tronc de l'arbre. Excusez-moi. Et quand tu commences par ça, ça développe en toi des caractéristiques, un caractère comme peut-être la patience. La gestion des finances, gestion de budget, l'apprentissage constant, la communication, l'excellence. Tu développes ça, tu établis bien un business. Après, en un an, tu lances 3 business. L'année qui suit, tu lances 5 business. Parce que tu as d'abord mis le tronc correctement. Maintenant, tu es en train de mettre les ramifications dessus. Et c'est la partie du tronc qui prend souvent du temps. Et c'est là que les gens abandonnent. Ton appel aussi, c'est généralement quelque chose qui est un peu nouveau. Tu peux t'inspirer d'autres personnes pour faire, mais au final, ta part sera seule. Donc, pour connaître ton appel, n'aie pas peur qu'on dise souvent que « Ah, mais ta part n'est pas comme pour... » Ce n'est pas comme... Ça ressemble à, mais ce n'est pas. Pour you, non. Pour you, ah. Donc, reconnaître son appel... C'est aussi quelque chose que tu aimes faire. Même si au départ, tu ne vois pas comment ça peut te donner de l'argent. Mais tu aimes. Bonjour. Et quand tu fais ça, tu sens comme si ton corps s'active. Tu es motivé. Et quelque chose que tu ferais, même si on ne te paye pas, tu ferais toujours. Avec le temps, ils vont te montrer comment, que ce soit, comment faire que ça devienne lucratif. Même si c'est l'orphelinat que tu ouvres. Ils vont te montrer comment te faire des revenus avec l'orphelinat. Mais quand tu es dans ton appel et dans ta mission, tu n'es pas censé... Ça ne va pas aboutir à la pauvreté. Ok. J'espère que ça a répondu à ta question. Que la grâce se répande sur vous, que la lumière du Christ vous illumine, que votre nom se répande dans les plus grands pays, que ta gloire se répande.
Je sélectionne vos questions. Beaucoup de questions qui ne méritent pas que je réponde. Toi qui dis qu'on a braqué chez toi, on voulait braquer chez toi. Les guides ne sont jamais clairs. Tu crois que tu es où? Tu crois que c'est la télé que tu allumes? Elle n'interprète pas vos rêves. Le kit, c'est 70 000 en montant. Ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas prendre tes choses. On ne peut pas vous voler. Tu viens me demander comment savoir que tu as accompli la volonté de Dieu. Pourquoi tu ne demandes pas à Dieu? Vous parlez à tout le monde sauf à Dieu. Quoi? Comment augmenter ses dons? On n'augmente pas les dons. Quand le moment arrive, on te donne. C'est un don. C'est un peu comme si quelqu'un te fait un premier cadeau, tu dis que je veux encore. Tu as gâté tout. Oh my goodness. Oh là là. Oh. Ouais, Seigneur. J'ai une de mes employées qui est très... Il y a un esprit qui la dérange. J'explique. Je cherche les habits des employés. Ce qu'elle va acheter aux employés. C'est l'habit que je porte qu'elle dit qu'elle veut. Ça fait deux fois qu'elle a dit ça. Je regarde et je dis, mais mamie, même seulement à l'achat. L'achat, le prix d'achat de mon habit. Il y a les habits que j'achète, même si je revends, j'achète ça au moins à 80, 100 000. Tu es là, ton salaire. Donc tu veux dépenser le deux tiers de ton salaire pour acheter l'habit. Tu peux supporter? Je continue. De temps en temps, je fais des petits cadeaux à mes employés. Je peux rester, j'achète des croissants. Tu donnes le croissant à quelqu'un, la personne te dit que non, il ne veut pas le croissant. Il veut, et quand ce qu'il te dit, ce qu'il veut, c'est entre 40 000. C'est les longs yeux. Les longs yeux. Vous suivez. Comme tu as dit que comment faire pour avoir plus de dons. On t'a donné, non? Quand elle te donne ma chose, tu commences à dire, imagine, je prends un truc qui coûte 2000, je viens, je te donne. Et je suis pas obligé de te donner déjà. Je suis pas obligé. C'est mon argent. Tout ce que je te dois, c'est ton salaire. Imagine si je fais, il y a des jours, je reste conseillé à mes employés, on leur donne une certaine somme. Multiplie un peu ça par 25 ou par 30, c'est ce que je viens de dépenser. Tu dis que non, c'est que ce qui coûte 40 000 que je veux. Quand je rencontre quelqu'un qui a des messages pour moi ou qui est un divin,
Je ne lui pose aucune question. Je suis pas dans ça veut dire quoi? Je lui donne seulement mon nom, quoi. Supposons si je vais payer une consultation. Vous venez pour qu'il vous consulte. Je donne mon nom à la personne. Je m'assois. Je commence à parler à mes guides. Dans mon cœur, mais papa. Et j'attends. Parce que vous pensez que... Quelles sont vos questions? Qui vous a dit que vous êtes déconnecté de vos guides? C'est ça que je ne comprends pas. C'est pourquoi tu es à la maison avec un homme. Tu ne lui parles pas. Après, tu dis qu'il ne te parle pas. Non, c'est parce que tu as arrêté de lui parler. C'est tout. Donc, comment reprendre la connexion? Comme Alexa ou bien Siri. Siri? Hi, Siri. Hi, Siri. Je suis en train de faire le direct avec le téléphone qui a Siri là. Quand il dit, on allait dire hello. Mon Siri est bête. Siri, ma part de Siri sur mon téléphone là. Hi Siri. Je suis en train de, c'est sur le téléphone c'est que j'ai installé Siri là. Mon Siri là. Tant que tu ne parles pas à Siri, Siri ne va pas te parler. Tu as vu le téléphone rester comme ça là, ça dit que hello Jocelyn. Non. Vous ne leur parlez pas, ils se testent. Si tu as Alexa, ne parle pas. Alexa ne va jamais te dire. Tu as obligé. Non. Voilà encore l'autre qui vient dire comment pour. Je vais vous bloquer. Je vais vous bloquer. Quand vous demandez souvent qu'elle fasse des réunions, vous venez physiquement. Quand c'est physiquement, alors vous exagérez. Imaginez si vous m'ennuyez sur les réseaux. Et tu fais toujours toi-même encore. Tu te trouves bête ou bien tu trouves ce qu'elle dit, c'est bête. C'est toi que tu trouves bête. Je m'assois, j'attends. C'est là que tu vas voir comment tes guides parlent. C'est là que tu vas voir. La personne va parler. Après, ça arrête. Elle dit que non, attends, il y a encore quelque chose. Après, ça arrête. Elle dit non, il y a encore quelque chose. Vous ne connaissez pas comment on vient dans les consultations. Que non, parle-moi. Dis-moi. Est-ce que le gars va m'épouser? Que vous êtes bête. Désolée, je ne vous insulte pas. Je ne bloque plus trop les gens. Je me retiens un peu. Cède. Je voulais te bloquer depuis. Je considère encore. J'ai passé ton dossier. J'attends qu'ils me disent si on peut te bloquer. Ok, cède. On ne se base pas sur les vibrations pour écouter ses guides. Parce que ça peut te tromper. La chaise que tu vois là, ça peut tromper. La semaine, s'il peut peut-être pas là, t'avais les vibrations. La semaine prochaine, t'es pas là, t'avais ceci. Donc, là, vous commencez à me demander que les vibrations, vous avez dit quoi? Vous me laissez. Et vous devez avoir une confiance en vos guides. Un jour, je reçois une dame ici à Abidjan. Ah, je suis où là même, Libreville. Je reçois la dame. Elle arrive. Elle n'avait pas encore acheté le produit, donc normalement, je ne devais pas la consulter. Mais... Je la regarde. Après, je la prends dans mon bureau. Elle a payé l'argent sans discuter. Je me dis, pour une première fois, quelqu'un qui vient, donc elle venait, parce qu'elle venait, on lui avait dit de venir, que je vais lui parler. Elle arrive. Philomène, ne me pose plus la question, si c'est Philomène, laisse-moi. Voilà.
Je travaille pour vous. Je travaille pour vous. Vous allez vous poser vos bêtes, bêtes questions là. Sortez avec ça. Voilà. Donc, elle entre, elle s'assoit. Elle n'a rien dit. Il savait qu'elle-même aussi, elle est déjà, c'est un guide spirituel assez avancé. Elle fabrique des objets déjà, elle a beaucoup. Pendant que je lui parle, on commence à me donner des visions sur elle. Je la vois dans une pièce, il y a plein de bougies partout. Et il savait qu'elle fabrique des bougies. Et je dis, après, un moment, elle me dit, voilà, tu as répondu à toutes mes questions. Elle n'a ouvert la bouche pour rien. Mais c'était préparé, elle a demandé. Donc, si vous voulez faire les choses du bas astral, on va fonctionner avec vous comme ça. Je vois qu'elle poste les choses de temps en temps, et cela, vous, que ça veut dire quoi? Je ne comprends pas. Si elle disait plutôt que reçoit l'argent, amen, amen, hé, Élevez-vous. Élevez-vous. Level up. Je vous ai toujours dit que si quelqu'un te consulte, ce qu'il te dit, ça doit venir, merci grâce, ça doit venir de ce qu'on t'a aussi déjà dit. Vous suivez? Ça doit venir de ce qu'on t'a déjà dit, parce que vous n'écoutez pas. Vous pensez que vos guides, même si on se connecte ici, je ne vois pas de commentaires, je commence à parler. Je vais toucher au moins les points d'au moins 40% d'entre vous. Si elle vous dit concentrez-vous, posez plus de questions, concentrez-vous, posez les questions dans votre esprit. Posez. Vous allez commencer à voir que, attends, je vais rester comme ça. Parce que quand elle parle, je reçois beaucoup. Vos guides, ils arrivent ici. Je vous ai déjà dit, quand vous mettez ma vidéo, j'arrive chez vous, vous arrivez ici. Il y a quelqu'un depuis, on te dit que tu dois changer d'apparence physique, mais tu hésites. Couper les cheveux peut-être, tu hésites beaucoup. Il faut couper. Tu vas renaître. Quelqu'un est là depuis, tu penses que tu dois aller sur la tombe des ancêtres, mais tu hésites aussi. Ça fait vraiment longtemps. Avant, je disais que ce sont les choses que c'est ma mère qui faisait. Comme elle n'est plus là. Comme elle n'est plus là. Faut que tu ailles faire. Bonjour. Parfois, vous parlez tellement ce que votre tête dit, si bien que ce que votre esprit vous dit, on ne peut pas vous dire. Parce que la tête est saturée. Voilà, il y a quelqu'un ici, tu as déjà des abonnés qui te suivent pour quelque chose. Et tu hésites, tu te dis, j'ai bien envie de faire des vidéos et je parle de moi. Me voici, c'est moi ici. N'aie pas peur, fait. Tu seras surpris de... Les gens le sentaient déjà en toi, mais faire ton coming out sur ta spiritualité, ça va leur permettre, ça va aussi les libérer. Oui. Et ça va t'apporter des abonnés, si c'est des abonnés que tu cherches. Tu as gêné, tu as trouvé ton porte-monnaie avec 230 euros. Lala, bonjour. Ah, tu as trouvé un porte-monnaie, je pensais que c'était le tien. Ok.
Il y a quelqu'un ici, tu vas bientôt, ton visa va bientôt sortir. Soit tu pensais à te lancer pour le Canada, un endroit froid, oui. C'est la prochaine étape de ta mission. Tu dois te laisser changer, voilà. Tu es trop figé sur le physique et tu as peur de ce que les gens vont te dire. Mais il faut que tu... Je vois aussi quelqu'un, tu entends beaucoup plus de voix depuis que tu as commencé le bain de sel. Mais tu as peur qu'on dise que tu es folle, en fait. Genre, tu as quelque part, on te dit, va saluer la personne-là. Pas forcément prophétiser sur sa vie, mais tes intuitions sont devenues plus fortes. Ah, il y a quelqu'un ici, on va t'exposer. Tu vas sortir avec un... Tu vas sortir avec un Européen bientôt. Soudainement, on va t'exposer aux Européens, oui. Ton public aussi, oui. Tu faisais des produits, mais tu concentrais ton public ou tes clients seulement sur... Donc là, on est en train de t'ouvrir le côté des Européens. Et c'est une personne qui est peut-être de la Guadeloupe ou de l'Afrique. Donc toi, tu es peut-être de Guadeloupe ou de Martinique. Ton public va s'ouvrir plus vers l'Europe maintenant. Soit tu vas avoir un copain, ouais. Soit te marier avec quelqu'un qui est de là. Depuis 3 heures que j'enseigne, maintenant qu'on me dit que le lien n'a pas le volume. Je ne parle pas à quelqu'un de particulier. Tu as entendu dire que moi, je ne parle à personne. Laissez-moi. De rien faire, je l'ai dit. Merci. Non, j'ai pas fait de lecture de cartes depuis. J'ai fait 10 jours au moins, je n'arrivais pas à travailler sur les gens. Quand vous payez mes services, sachez que je ne travaille pas sur les gens tout le temps. C'est pour ça que je vous dis toujours, ne soyez pas pressé pour payer mes services. Tu peux payer mes services, c'est même dans 2 mois que je travaille sur toi. Et que pendant ce temps, on est en train de travailler sur toi encore. Donc, c'est même pas que c'est... Parce que vous pensez toujours que c'est quand je vous touche physiquement. Non, dès que ton argent touche mes poches, là. C'est pour ça que quand les gens viennent se fatiguer et qu'on les rembourse, là, je te rembourse ton argent. Ça ne me dérange pas. Il y a des périodes où je ne travaille pas sur les gens. Bon. Je dois partir. Vous savez que le Gabon est protégé, non? Les troubles de tout, ça n'a pas trop touché le Gabon. La connexion ici, ça va. Une parole pour toi. Alors, il faut me laisser. Toi-même, tu m'as donné quoi? Oh, Hakebem. Hein? Vous aimez qu'on vous donne seulement.
je vous passe une bonne journée. La riturière. Bon sommeil. Quand il finit de parler, c'est fini. Je n'ai plus aucun téléchargement pour vous.